Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une extension incroyable. Nous avons parlé de WoW Classic précédemment. Et bien aujourd'hui, il est temps d'attaquer la première extension de World of Warcraft, à savoir Burning Crusade. Alors évidemment, il sera l'objet aujourd'hui dans cette vidéo. Surtout, on va prendre exactement le même schéma que pour WoW Classic, enfin WoW Vanilla, pardon. C'est-à-dire qu'on va revenir sur la trame scénaristique, mais également sur des éléments extérieurs qui ont fortement influé l'histoire de Burning Crusade. Et je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup. En tout cas, on va parler surtout, bien sûr, le gameplay de World of Warcraft Burning Crusade. Ça vous regarde. Maintenant, c'est l'une des extensions les plus catastrophiques en termes de lore. Si vous aimez Burning Crusade, si vous ignoriez certains éléments, il est l'heure aujourd'hui de rappeler la vérité. Burning Crusade est une catastrophe ambulante, pleine d'incohérences, pleine de retcons, pleine de choses complètement abracadabrantes, et il va y avoir un sacré long listing. C'est d'ailleurs l'extension, pour la petite anecdote, qui m'a fait arrêter World of Warcraft, et qui m'a, enfin, j'ai dû reprendre bien plus tard parce que ça m'avait complètement saoulé. Au début, bien sûr, j'avais des yeux d'enfant, donc quand tu arrives en Draenor et tout, c'est waouh, mais c'est les terres que j'avais vues dans War 3, c'est les terres que j'ai vues dans War 2, et au début, bah, t'es là, oh, le paysage est magnifique, etc. Et quand tu commences à lire les choses, quand tu commences à comprendre un peu l'intrigue, je te dis, mais il y a un énorme problème, qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous propose, mesdames et messieurs, de commencer cette vidéo tout simplement par la vidéo d'introduction de World of Warcraft Burning Crusade. Osez pénétrer dans mon royaume. Vous n'êtes pas prêt. Et il a raison le bougre, on n'était clairement pas prêt à cette extension. Alors rappel un petit peu quand même du contexte, puisque Burning Crusade est sorti 3 ans après la sortie officielle de World of Warcraft. Et en l'occurrence, c'est vrai que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Classic, je vais essayer de la voir si vous ne l'avez pas vu, World of Warcraft n'était pas prévu pour être une extension, on va dire. Enfin, World of Warcraft à la base était un jeu qui avait bien sûr pour ambition de marcher, mais qui n'avait pas du tout pour ambition de révolutionner le MMORPG, de devenir, on va dire, le jeu numéro 1 pour
pendant plus d'une décennie. Et c'est vrai que eh bien, Blizzard a surfé sur le succès. Et Burning Crusade, c'est tout simplement remettre en scène, comme vous l'avez vu avec cette cinématique, l'une des figures les plus, je dirais, bankable de la licence Warcraft, à savoir Illidan. Et Illidan, puisque le deuxième n'est autre qu'Arthas, mais il arrivera dans une autre extension la prochaine. Mais en l'occurrence, Illidan fait son grand retour, et c'est vrai que bah, ces extensions sont évidemment, enfin, cette première extension, évidemment, tourné vers l'héritage de Warcraft avec des grosses allusions à Warcraft 2, des grosses allusions à Warcraft 3, notamment la faction des Illidari avec eh bien, tout simplement la possibilité d'avoir un petit peu, de voir un petit peu comment ça se passe du côté d'Illidan. Alors pour commencer, comme vous l'avez vu dans cette cinématique, il y a un personnage tout simplement qui est représenté, puisque les deux nouvelles races sont représentées, à savoir les elfes de sang d'un côté et les Draenei de l'autre. Et instantanément, là on arrive déjà à un problème, à un hic. Les elfes de sang qui rejoignent la Horde et les Draenei qui rejoignent l'Alliance. Et je sais que, alors il faut se remettre encore dans le contexte de l'époque, puisque maintenant je sais que dans la tête de la plupart des joueurs, Draenei Alliance c'est normal, L200 côté Horde, bon il y a encore des petits grincements dedans, mais Draenei même dans l'Alliance il n'y avait aucun problème. Je rappelle qu'à l'époque en fait ça avait tellement touché le grand public que dans la tête des gens l'Alliance c'était les êtres tout beaux, hein, tout le monde jouait Elfes de la Nuit quasiment, et on avait de l'autre côté les monstres, les grosses créatures méchantes, à savoir les orques, les Draenei, les trolls et les morts-vivants, les trolls, les tauren, pardon, les orques et les morts-vivants. Donc on avait d'un côté la faction bleue, gentille, et la faction rouge, méchante. En plus c'est très américain, les bleus les gentils, les rouges les méchants, évidemment. Donc il a fallu un petit peu essayer de casser ce mythe en proposant justement, et en plus à l'époque l'Alliance avait plus de joueurs que la Horde, donc il fallait casser un petit peu ce mythe. Je rappelle également qu'à Classic il y avait une classe, le Shaman, qui n'était disponible que côté Horde, et une classe, le Paladin, qui était disponible que côté Alliance. Le problème c'est que du coup les joueurs de l'Alliance gueulaient parce qu'ils voulaient jouer Shaman, et de l'autre côté les joueurs Horde gueulaient un peu parce qu'ils voulaient aussi les Paladins dans la Horde. Ce qui va être fait tout simplement, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il va y avoir donc eh bien, l'introduction de nouvelles races qui vont pouvoir apporter du gameplay et du... Il va falloir, on va dire, justifier ce gameplay, à savoir Paladin chez la Horde et Alliance et Shaman chez l'Alliance. En l'occurrence, donc la Horde, comme je vous l'ai dit, c'était les méchants monstres, il leur fallait une race belle, noble, chatoyante, et on va intégrer les elfes de sang. On y reviendra après, bien sûr, on fera un point sur les deux races. Et du côté des Draenei, on va le voir aussi, sachant que j'ai fait la généalogie sur les Draenei, je vous laisse aller la voir, bien entendu, pour plus de détails. Mais les Draenei, en plus, l'apparence n'est pas prise au hasard, puisque on va revenir sur l'aspect monstrueux des Draenei, à savoir leur apparence, comme vous le voyez, avec ces espèces de tentacules et autres, c'est tout simplement tiré directement d'Archimonde, qui était le représentant de la Légion Ardente, donc le démon, et ces espèces de chèvres poulpes venues de l'espace, bah c'est tout simplement ça, c'est hérité d'Archimonde. Donc les Draenei étaient là pour amener le côté monstrueux. Au final, bon, les Draenei femelles auront beaucoup de succès auprès des joueurs. Il va y avoir énormément de retcon pour pouvoir intégrer ces deux races, surtout côté Elf de Sang, côté Draenei aussi, hein, même si ils seront de meilleure facture. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ceci est un artwork officiel de World of Warcraft, Burning Crusade, et c'est notamment eh bien, cet artwork qui a tellement marché auprès des joueurs que c'est ce qui va créer deux personnages, à savoir Valyra du côté des Elfes de Sang, ce qui est très rigolo puisque Valyra appartient à l'Alliance et pas à la Horde, ce qui est assez marrant. Et enfin dans l'histoire. Et au final, nous avons également donc de l'autre côté Marad qui sera l'un des grands chefs des Draenei aux ordres de Velen. Donc ça c'est assez intéressant, un artwork qui a tellement fonctionné que ça a permis d'intégrer des personnages. C'est plutôt cool, sachant qu'en plus Marad, pour la petite anecdote, Marad a été créé, donc on l'a vu dans la cinématique de Burning Crusade, hein, c'est bien Marad, l'artwork c'est bien Marad aussi, au final Marad n'apparaît pas dans Burning Crusade, c'est assez drôle ça, parce que même moi je m'étais fait avoir, pour moi il apparaissait dans Burning Crusade, non, il n'apparaît pas dans Burning Crusade, voilà pour la petite anecdote. Alors un des bons points aussi, un des bons points de Burning Crusade, comme je vous l'ai dit, avec mes yeux d'enfant à l'époque, c'est vrai que c'est le retour en Draenor, le retour en Outre-Terre, le retour dans les terres dévastées, le retour sur le monde des exilés. Vous l'appelez comme vous voulez, puisque, comme vous l'appelez, les quatre dénominations que je viens de vous donner sont les noms officiels, puisque je sais que dans la plupart, dans la tête des gens, Draenor, c'est Warlord of Draenor, mais non. L'Outre-Terre, c'est notre Draenor à nous. C'est juste qu'elle a explosé suite aux incidents de Ner'zhul. Donc je vous laisse aller voir la vidéo sur Warcraft 2, Warcraft 3 et WoW Classic, sinon vous allez peut-être être un peu perdu, bien sûr, dans cette vidéo.
Mais en l'occurrence, eh bien, ça s'appelle, on peut l'appeler donc Draenor, l'Outre-Terre, les Terres Dévastées, ou le Monde des Exilés, c'est tout simplement le nom, ou le repère, le refuge des exilés, c'est le nom qu'on donnait, hein, je rappelle, Draenor, ça veut dire le Monde des Exilés à la base. Donc, le monde fragmenté, hein, et on voit justement ces amas, ces espèces d'îlots magiques avec des bouts de terre qui volent, eh bien ça, c'est hérité directement de Warcraft 3, on voyait justement les Terres Dévastées, où Illidan faisait son retour et faisait la conquête tout simplement des Terres Dévastées. Donc c'est vrai que revenir dans ces territoires, c'était quand même un sacré coup je dirais de main de maître, hein. On revoyait ces îlots, ces territoires qu'on avait déjà parcourus dans Warcraft 2 et dans Warcraft 3. Petite anecdote d'ailleurs, j'y reviendrai après quand on parlera de Mactéridon, mais là, ce que vous voyez, la Hellfire Citadel, hein, la péninsule des flammes infernales avec la citadelle des flammes infernales, eh bien il y a eu un petit World of Warcraft a dû trancher, Burning Crusade a dû refaire un petit truc parce que malheureusement dans Warcraft 3, c'était une des rares grosses erreurs de Warcraft 3, à savoir que dans Warcraft 2 il y avait bien le Temple Noir et la Citadelle des Flammes Infernales. Le truc c'est que dans Warcraft 3 ils avaient fusionné pour en faire le Black Citadel, donc la Citadelle Noire, et au final ils ont dû remettre et donc Hellfire Citadel, la Citadelle des Flammes Infernales et le Temple Noir, et il a fallu expliquer justement que eh bien, au final Mactéridon était au Temple Noir et pas dans la Citadelle des Flammes Infernales. Voilà pour la petite parenthèse. Donc on retrouve hein, les territoires qu'on avait à peu près dans Warcraft 2. Ils ont réutilisé énormément d'éléments de Warcraft 2. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'une des... Vous savez, il y a toujours, on va dire, des petits éléments pour tease la sortie d'une extension. Il y en a eu en jeu et hors jeu. En jeu, vous avez, on reviendra après, mais il y avait eu des teases de la Légion Ardente, des invasions de la Légion Ardente pour préparer Burning Crusade. Et... hors jeu, il y avait eu un roman tout simplement pour Warcraft 2, donc le flot de l'avant. Alors c'est Tides of Darkness, mais c'est traduit en français, mais j'ai oublié le nom. Et le livre Tides of Darkness et le livre Par-delà la Porte des Ténèbres, qui servait justement un peu à Redcon et à remettre un petit peu dans le contexte le récit de Warcraft 2. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Je vous en avais parlé de toute façon dans mes vidéos sur Warcraft 2. Donc ça c'est important puisque c'est ce qui va relancer l'intérêt, enfin c'est ce qui va permettre de préparer Burning Crusade. Il y avait déjà des gros problèmes, on y reviendra en fin de vidéo. Ensuite donc, je le rappelle, la vidéo de Frozen Throne est super importante puisque là je vais vous parler de ce qui s'est passé une fois la défaite d'Illidan en Northrend, son échec pour détruire le roi Lich et notamment eh bien, détruire Ner'zhul. Il va être arrêté par Arthas, Arthas va lui botter le cul, et alors je le rappelle vite fait, c'est une parenthèse, j'aurais aimé ne pas la faire, mais je vais quand même la refaire, Illidan n'a jamais été tué. Je sais qu'il y avait des rumeurs à l'époque, et non, Illidan n'a jamais été tué à Frozen Throne. Illidan avait été gravement blessé, à la base il devait y avoir une cinématique pour montrer le duel en CGI, ça n'avait pas été fait, il y avait du coup une petite cinématique, sauf que dans la cinématique CGI, il était bien prévu de voir Kel'Thas et Vash récupérer Illidan gravement blessé et le ramener en Outre-Terre, pendant qu'Arthas faisait son ascension du trône de glace. Mais bon, voilà. Donc, Illidan est ramené en Outre-Terre. Et au final, eh bien, je le rappelle, mais ils avaient vaincu au préalable Mactéridon, qui était le grand chef de la Légion Ardente sur Draenor. Draenor était un carrefour, tout simplement. Donc, l'Outre-Terre était un carrefour pour la Légion Ardente pour pouvoir envoyer des troupes un peu partout. Lorsqu'Illidan a battu Mactéridon, eh bien, il est devenu le chef de l'Outre-Terre. Il est devenu le chef, on va dire, le roi, on va dire, de l'Outre-Terre. Et il se servira donc de Mactéridon pour renforcer ses troupes. Il avait accès à des démons, il avait accès aux elfes de sang, menés par Kel'Thas, Vash et Akama, et du coup, eh bien, Mactéridon va lui servir, tout simplement, il va pas le tuer, il va l'enfermer dans la citadelle des Flammes Infernales, et il va se lever une nouvelle armée pour pouvoir mater les orques, eh bien, il va leur faire boire le sang de Mactéridon, et il va pouvoir contrôler Mactéridon magiquement grâce aux elfes de sang, et à ce moment-là, eh bien, Mactéridon eh bien, va produire en fait des nouveaux orques de sang, les Gangrorks. Et ça sera sa force de... Enfin, ce sera ses troupes principales, on va dire. À côté de ça, donc, son plan, justement, Illidan, puisque suite à sa défaite, eh bien, Illidan, il est revenu en Outre-Terre, il est revenu dans son quartier général. Le truc, c'est qu'il sait que Kil'jaeden lui avait déjà fait un avertissement à l'époque de Frozen Throne, et du coup, il est en train de préparer ses défenses. Il avait fermé tous les portails de Draenor pour pas que, justement, la Légion Ardente puisse revenir. Mais, eh bien, il essaye, eh bien, de consolider ses forces, comme je vous l'ai dit, avec les Mactéridon et les Gangrorks, mais il va essayer de continuer à faire grandir son armée pour pouvoir préparer une éventuelle attaque de la Légion Ardente.
Et pour ce faire, comme je vous l'ai dit, bon, il y a déjà la Gangrord, mais il va, bon, c'était déjà un corps qui était présent, c'est une faction, une des factions jouables dans Warcraft 3. Alors elle n'était pas jouable en multijoueur, mais en solo, notamment à Frozen Throne, puisque je rappelle qu'à Warcraft 3 il y avait 4 factions, et à Frozen Throne il y avait une cinquième faction, les Illidari, où vous pouviez jouer donc Kel'Thas et les Elfes de Sang, Vash et les Nagas, et ensuite bien sûr Illidan et les Chasseurs de Démons, et enfin, vous le voyez tout au fond, Akama et les Draenei. Et oui, à l'époque, on disait pas les Roués, on disait les Draenei, puisque les Roués sont des Draenei. Chronologie des Draenei, enfin généalogie des Draenei si vous voulez plus de détails. En l'occurrence, de toute façon je la mettrai dans la description. Donc, sachant que les Illidari, donc à ça va s'ajouter donc Kargath et les orques du chaos, les Gangrorks. Donc Kargath qui est le chef de la Gangre Horde, donc les orques rouges à la peau rouge. Kargath c'était tout simplement un des chefs de clan qui avait servi tout simplement la Horde de Ner'zhul hein, dans les événements de Warcraft 2. Donc Kargath devient un Illidari et le chef des Gangrorks, contrôlé évidemment par Illidan, hein, bien entendu. Donc là, ça nous fait une énorme faction. Évidemment, j'étais obligé de sauter sur le moment, puisque la plupart du temps, en ce moment, avec Battle for Azeroth, il y a énormément de débats autour d'une troisième faction, qui serait une faction de merde, hein. En gros, Sylvanas, une partie des troupes, blablabla. Vous vous rendez compte quand même qu'à l'époque de Burning Crusade, là, vous avez une faction qui aurait pu être jouable, qui est absolument dingue. Illidan et des Elfes de la Nuit, on va dire corrompus, chasseurs de démons, Kel'Thas et les Elfes de Sang, Dame Vache et les Nagas, Akama et les Roués, et Kargath et les Gangres Orques, sachant qu'on pourrait mettre potentiellement une race démoniaque qui pourrait s'ajouter à ça, qui serait en gros les esclaves, par exemple les Chatari, enfin pas les Chatari, les j'ai oublié le nom, mais vous savez celle avec les six bras, les je l'ai sur le bout de la langue, mais c'est pas grave. Mais du coup, les Shivara. Les Shivara, par exemple, auraient pu, imaginons, une race jouable. Ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, là, vous avez une troisième faction, comme beaucoup l'appellent, qui aurait pu être extraordinaire. Mais j'y reviendrai aussi en fin de vidéo. Maintenant, donc comme on l'a dit, Illidan va avancer ses pions pour, on va dire, consolider son pouvoir en Outre-Terre. Et notamment, il va vaincre la plupart des tribus orques qui refusent son pouvoir et qui refusent... il va mater tout simplement les différents orques pour qu'ils boivent le sang de Mactéridon et pouvoir rallier les gangres orques à la cause de Kargath qui est à ses ordres, hein, tout simplement. Donc là, on voit Kel'Thas et Dame Vache, bien entendu, faire le sale boulot. Pendant ce temps, lui, Illidan, il va former de nouveaux chasseurs de démons, puisqu'il y avait quelques chasseurs de démons qui le suivaient, mais ils étaient trop peu. Et du coup, il va récupérer d'autres elfes de la nuit. Alors on sait pas vraiment comment il les récupère, ces elfes de la nuit, selon des sources futures, parce que c'était pas expliqué à Burning Crusade. Certains chasseurs de démons étaient déjà des chasseurs de démons jouables dans Warcraft 3, mais qui auraient suivi Illidan. Sinon c'est potentiellement certains elfes de la nuit qui étaient peut-être dans l'expédition de Maiev et qui auraient accepté les promesses de pouvoir et autres, ça on n'en sait rien. Et par contre les elfes de sang, eux c'est plus logique, c'est des elfes de sang qui suivaient Kel'Thas et qui étaient déjà des Illidari et qui ont choisi de devenir des chasseurs de démons. Donc Illidan va vraiment avoir son nouvel ordre, les Demon Hunters, qui vont être ses disciples, en fait, tout simplement. C'était déjà le cas à Burning Crusade, mais ça reviendra bien plus tard, on y reviendra. Kel'Thas, donc, et les Elfes de Sang, ça va être quelque chose de très important, et c'est un énorme sujet épineux et à discorde de Burning Crusade, puisque Kel'Thas a toujours été un personnage torturé, ça c'est vrai. Kel'Thas, je ferai une vidéo un jour, parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, Kel'Thas, je ferai une vidéo un jour, je pense, sur Kel'Thas, mais c'est quelqu'un qui a perdu tout ce qu'il chérissait. Il a perdu sa famille, il a perdu son père, donc le roi de sa race, le roi de sa race, hein, des hauts elfes, et qui sont devenus les elfes de sang. Il a perdu sa patrie, il a perdu Kel'Thalas. Il a perdu sa magie, puisqu'il a perdu le puits de soleil et du coup toutes les forces arcaniques qui permettaient à la société aux elfes de fonctionner. J'ai fait une vidéo sur les hauts elfes, sur Valyra et les hauts elfes, je vous laisse aller la voir pour plus de détails. Il cherche du coup sa place dans le monde et il va même perdre sa faction, puisque l'Alliance va rejeter les elfes de sang. Il va même être emprisonné à Dalaran par Garitos et les restes de l'Alliance de l'Ordéron. Donc il a tout perdu, Kel'Thas, il a tout perdu. Donc ça c'est un petit rappel de Frozen Throne bien sûr, mais il ne porte même pas le titre de roi par respect et par honneur envers son père, puisqu'il considère que le dernier roi de Kel'Thalas est mort avec la mort de son père Anastérian. Du coup Kel'Thas est le chef des elfes de sang, mais il s'appelle prince. C'est devenu une principauté, on est passé d'une royauté à une principauté, on a changé de modèle politique. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, puisque lui, il considère qu'il a été trahi par l'Alliance, qu'il a dévoué corps et âme à l'Alliance de l'Ordéron, et au final, il a été jeté en pâture aux morts-vivants et autres, et finalement, il a pu s'en sortir, il a fait un pacte avec Vash. Donc,
Lui, il est perdu et il cherche sa place dans le monde et il cherche le salut de sa race, bien entendu, puisqu'il œuvre pour le bien de sa race. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on a quitté Warcraft 3 Frozen Throne. Kel'Thas, qui est un être dévoué à sa cause, dévoué assez... Pourtant, les hauts elfes sont assez arrogants et lui, il a l'air quand même... Enfin, même si c'est un haut elfe, bien sûr, il est quand même... À la base, c'est un elf, hein, parce que c'est devenu les elfes de sang, mais les elfes de sang, comme les hauts elfes, sont assez arrogants. Mais Kel'Thas, malgré tout, est quand même là-dessus assez juste et un petit peu remis à plat, on va dire, a mis son orgueil de côté parce que bah, il a tout perdu et maintenant bah, il est prêt à. Ils ont connu, on va dire, la misère, les elfes de sang. Le truc, c'est que justement, la relation entre Kel'Thas et Illidan est juste exceptionnelle pour moi à l'époque de Frozen Throne, puisque chacun va retrouver en l'autre sa partie manquante. Kel'Thas. A tout perdu et a besoin, on va dire, d'une boussole, a besoin d'un guide. Et il va trouver ce guide en la personne d'Illidan. Illidan, lui, c'est l'inverse. C'est le personnage qui aussi a tout perdu. Les deux ont en commun le fait qu'ils sont mis de côté, ils sont mis au banc de la société, ce sont des parias, ce sont la lie de la société. Au final, Kel'Thas a besoin d'un guide, Illidan a besoin d'apôtres, on va dire, a besoin de disciples, a besoin de personnes, de suivants. Et le truc, c'est que ça n'a jamais été le cas. Illidan, il a toujours... Enfin, même si... Attention, hein, je ferai une vidéo sur Illidan un jour. Je ne suis pas en train de dire qu'Illidan, c'est le gentil non plus. Mais Illidan, il a toujours été incompris. Il a toujours dit des trucs et les gens ont mal interprété ou se sont dit « Mais qu'est-ce que tu fais? T'es taré !» Et du coup, Illidan a toujours été mis de côté. Illidan a été esselé. Il trouve en Kel'Thas et en Dev 200 enfin des gens qui l'écoutent et qui comprennent ses motivations. De l'autre côté, Kel'Thas voit un guide, un meneur, quelqu'un qui peut aider à trouver sa place et le salut de son peuple, puisque c'est Illidan qui va apprendre aux elfes de sang à siphonner l'énergie démoniaque pour pouvoir eh bien, étancher leur soif de magie, leur soif de mana. Donc les deux vont complètement se comprendre et Kel'Thas jure fidélité à Illidan, qui l'appelle maître d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Le problème, c'est que donc on quitte Warcraft 3 avec un Kel'Thas qui est très avenant envers son peuple, comprend tout à fait les problématiques d'Illidan, comprend tout à fait les enjeux qui se trament dans les motivations et dans les actions d'Illidan, puisque Illidan est un chasseur de démons, il lutte contre la Légion Ardente, mais d'un autre côté, il est on va dire, main liée face aux agissements et face à des forces qui le dépassent. Donc, et c'est justement, il essaye de renforcer son pouvoir pour affronter ces mêmes forces, ce qu'il a toujours pour but de détruire la Légion Ardente, ça a été dit depuis Warcraft 3, sauf que le problème, c'est qu'il y a un moment donné, quand Kil'jaeden se présente devant lui, Illidan, il est en mode « Ah, pardon !» puisque Kil'jaeden est trop puissant pour Illidan à l'époque. Et donc, on a un Kel'Thas, on quitte Frozen Throne avec un Kel'Thas comme ça, et on va retrouver un Kel'Thas à Burning Crusade et un Illidan à Burning Crusade qui n'ont rien à voir avec leur traitement dans Warcraft 3. Burning Crusade va saccager le traitement de ces deux personnages, et quand je vous parle de paria de la société, on va même revenir peut-être sur les Illidari, parce que les Illidari au final c'est quoi? C'est que des parias. Illidan est un paria comme je vous l'ai expliqué, je ne vais pas revenir dessus, Kel'Thas pareil, mais Vash c'est pareil, Vash... C'est la préférée, c'est une Naga, donc déjà les Nagas c'est un peu des êtres qui ont été mis de côté, qui ont été abandonnés par le reste des races et qui ont dû faire un pacte avec Nuzhat et les dieux très anciens pour pouvoir survivre. Et au final, Vash c'est la préférée d'Ashara, hein, la reine des Nagas, mais au final qui est un petit peu aussi mise de côté par Ashara. Donc elle va trouver aussi, alors qu'avant elle était toujours on va dire, connectée à Ashara en mode c'est ma maîtresse, etc. Elle voit en Illidan quelque chose, elle a un lien avec Illidan très particulier au bord de la romance, quelque chose d'assez intéressant, et les Nagas, bon bah voilà, c'est les bien-nés qui ont été mis de côté. Et au final, Akama, les roués, hein, c'était déjà le cas à War 3, les survivants de Draenei qui luttent contre les orques qui les ont massacrés, et au final, eh bien, avec l'ajout des Draenei, on y reviendra juste après, Akama est encore plus le côté paria des Draenei. Donc c'est les Illidari, ça a toujours été, on va dire, la branche des mecs perdus, et c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc moi, la relation de Kel'Thas et Illidan, je la trouve exceptionnelle, et le problème, c'est que les deux se complètent, mais il va y avoir, à partir de Burning Crusade, une fracture, une cassure entre ces deux personnages, puisque la relation va... Alors on y reviendra aussi après, puisque Kel'Thas va devenir un boss, évidemment, à Burning Crusade, tout comme Illidan, mais en gros, les deux vont être tout simplement... Donc ce traitement qui est super intéressant dans Warcraft 3 va devenir tout simplement une caricature de méchant de série Z, de nanar tout simplement, puisque chacun en fait va devenir une espèce de fou assoiffé de pouvoir, maltraitant ses propres troupes, puisque bien sûr un grand méchant il n'a aucun
il ne pense pas à ses troupes, alors que Keltas a toujours pensé au salut de son peuple. Et donc ils s'entre-déchirent entre eux, puisque c'est devenu deux chefs arrogants qui recherchent énormément de pouvoir, et donc forcément ils vont commencer. Illidan devient fou, et les deux vont commencer à s'écarter les uns l'un de l'autre de plus en plus. Et Keltas va trahir Illidan au profit de la Légion Ardente. Il va faire un pacte avec la Légion Ardente, mais ça on y reviendra en fin de vidéo. Donc pour l'introduction de Burning Crusade, comment on fait le lien entre WoW Classic et Burning Crusade? On réutilise un boss, un world boss, qui est apparu à WoW Vanilla, à savoir le général, enfin le Kazakh, donc l'un des grands survivants de la Légion Ardente, un des derniers chefs de la Légion Ardente encore présent en Azeroth. Et bien ce personnage, qui d'ailleurs, attention à ne pas vous faire avoir, ce personnage a été créé il n'a jamais été présent en War 3, hein. Je sais que j'ai des fois des commentaires et tout, oui il était présent en War 3, non jamais, hein. Harry Forge on le verra pas à Kazakh, normalement on devrait pas le revoir, et si vous jouez à Warcraft 3 vous verrez jamais Kazakh. Ce personnage a été créé dans le RPG papier de Warcraft et ensuite introduit à WoW Vanilla. Donc ce personnage là servira de lien entre WoW Vanilla et BC, puisque c'est lui qui va réouvrir la porte des ténèbres. La plupart des gens l'ont oublié ou l'ignorent, mais c'est Kazakh qui va, le seigneur funeste Kazakh, qui va ouvrir la porte des ténèbres, qui avait été, je rappelle, condamné et fermé par Khadgar à Warcraft 2. Et à War 3, c'était pas la même porte qui avait été. Enfin, Illidan avait créé une ouverture, mais qui n'avait pas pour but de rester ouverte. C'était une brèche, et il l'avait refermée juste après. Donc, et il l'avait réouverte, etc. Mais Illidan est un personnage très puissant, et même lui, il n'a pas pu ouvrir complètement une porte. Parce que le principe de la porte ouverte par Gul'dan et Medivh, c'est qu'elle restait ouverte. C'était pas juste une ouverture, on s'engouffre, on repart. C'est une vraie porte qui était là pour se stabiliser. Là, c'est ce que fait Kazakh. Je rappelle que ça commence bien en termes d'incohérence, puisque, enfin, ça continue en termes d'incohérence, puisque Kazakh, eh bien, va utiliser un artefact, parce que, bien sûr, tu peux pas ouvrir une porte comme ça et la laisser maintenue. Ce serait contraire à tout ce que War 2, War 1, War 3 nous ont appris. Donc, il a fallu essayer de trouver une justification. Donc, il a un artefact magique. Totalement, on ne connaît pas. Certains soupçonnent le fait que ce soit l'œil de Dalaran, puisque c'est l'une des reliques qui avait été utilisée dans War 2, mais au final pas utilisée. Ça aurait dû être une trame scénaristique de Burning Crusade. Ça ne l'a jamais été. On y reviendra aussi après, mais en fait, Burning Crusade, c'est une succession de patchs qui n'ont pas forcément de véritable raison et de tout cohérent. À l'époque, les développeurs, encore une fois, ils surfaient sur la hype et du coup ils sortaient patch par patch en mode ok, là on va faire quoi, on va parler de ça, ça va être intéressant, etc. Ils vont essayer de faire des connexions entre chaque patch, mais contrairement à maintenant, World of Warcraft à l'époque n'était pas une extension, on va penser ça, le boss final ce sera ça, avec boom de trame scénaristique. Là il y aura ce patch là qui va permettre d'intégrer du contenu, qui va permettre de préparer le patch d'après, etc. Non, à l'époque c'était vraiment on travaille patch par patch. Et au final, donc l'artefact magique utilisé, il va être même mis de côté, à Chronique on n'en reparlera pas, mais dans le manuel de Burning Crusade que j'ai pu lire pour préparer cette vidéo, il parle bien d'un artefact magique qui sera totalement ignoré par la suite. Et il va ouvrir ce portail pour pouvoir réintégrer Draenor et reprendre le contrôle des forces de la Légion Ardente, que ce soit sur Azeroth, et les faire traverser pour renforcer les forces de la Légion Ardente présentes là sur place, qui luttent contre les Illidari. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va permettre aussi l'ouverture du portail pour que les forces de l'Alliance et de la Horde puissent traverser le portail et affronter aussi les forces de la Légion Ardente. Et à l'époque, il n'est pas parlé, alors je sais que si vous avez lu Chronicles, on y reviendra aussi, mais Chronicles et d'autres romans vont essayer d'expliciter un peu ce qui a pu se passer à Burning Crusade, mais à Burning Crusade, il n'est à aucun moment fait mention, avant le réveil du Puits de Soleil, de Kil'jaeden. Ça, c'est Chronique qui a essayé de faire en sorte que ce soit une machination de Kil'jaeden, mais à l'époque de Burning Crusade, c'est Kazakh lui-même qui, veut regrouper les troupes de la Légion Ardente, et il veut essayer de récupérer les troupes sur Draenor, et en permettant de faire une, peut-être d'amener les troupes de l'Alliance et la Horde, mais il n'y a pas vraiment de raison logique. Le truc, c'est que du coup, les forces de l'Alliance et de la Horde, en voyant Kazakh traverser le portail, et c'est une menace pour la Horde et l'Alliance, et vont traverser le portail pour se foutre sur la gueule avec lui, hein. C'est tout simplement le principe. Et au final, donc comme j'ai dit, son but c'est d'amener l'Alliance et la Horde en Outre-Terre, hein, ça c'est le Redcon Chronicles, mais à l'époque c'était « Ah, je suis le grand méchant, poursuivez-moi si vous l'osez !»
poursuivi. Et je rappelle qu'à l'époque, l'Alliance et la Horde, malgré ce qu'on pense, l'Alliance et la Horde sont en paix. Alors vous dire, mais non, j'ai vu la cinématique d'intro de WoW Classic ou WoW Vanilla, ils disent bien 4 ans sont écoulés, mais les tambours de guerre, la fragile paix a été rompue, les tambours de guerre résonnent encore. Non. Manuel de Burning Crusade, première ligne. L'alliance fragile entre la Horde et la Horde et l'Alliance est maintenue malgré quelques échauffourées, les champs de bataille bien sûr, ou les Warsong, etc. L'alliance, la paix, le pacte de non-agression, malgré tout, reste encore d'actualité. Donc ce n'est pas une période de guerre entre la Horde et l'Alliance, c'est une période de guerre froide, tout simplement. Donc déjà que l'Alliance et la Horde à l'époque, enfin je rappelle que dans la vidéo de Wovania j'en avais parlé, mais ils sont pas forcément les meilleurs. Disons que les factions déjà de base étaient un petit peu, il y avait des critiques à émettre à l'égard de ces deux factions. Chacune va être renforcée par une race, comme on l'a dit, les Draenei côté Alliance, les Elfes de Sang côté Horde, et on va pouvoir présenter tout ça. Donc voilà, je rappelle la manipulation de Kil'jaeden pour faire venir ses forces. C'est arrivé bien après. À l'époque, c'était juste le grand méchant, il a traversé le portail, on va lui casser la gueule. Alors, du côté de l'Alliance, on va se dire, bon, bah, c'est à côté, hein, les Morasses Noires, tout ça, le fait qu'il y ait la Porte de Ténèbres, c'est pas très loin de Stormwind, c'est pas très loin d'Hurlevent, donc les forces de l'Alliance peuvent peuvent y aller rapidement. Pour les forces de la Horde, est-ce que vous avez imaginé déjà le cheminement qu'il fallait faire? Parce que certes, c'était une guerre froide, mais il y avait quand même eu des... Certes, il y a un pacte de non-agression, il y a une paix fragile qui est maintenue, mais au final, la Horde, elle doit traverser les territoires de l'Alliance. Qui viennent du nord de Lordaeron ou qui viennent de l'ouest de Kalimdor, ils doivent traverser pour aller au Temple Noir, enfin pour aller pardon à la Porte des Ténèbres, elle doit traverser que des territoires de l'Alliance. Est-ce que vous imaginez la scène? Des forces armées envoyées par la Horde, des orques, des tauren, des trolls, des morts-vivants qui doivent traverser tout ce territoire-là, au milieu, donc passer devant Forêt d'Elwynn, tout ça, coucou, on passe mais en paix, hein, en paix évidemment, pour pouvoir en franchir le portail. Est-ce que vous êtes visualisé déjà cette scène? Non, parce que je trouve ça très drôle, hein. Les Azérothiens, ils doivent être youpi-youpi, hein, de voir la Horde passer devant eux. La dernière fois qu'ils sont passés, ils ont cramé le château, hein, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va parler de la première race, la plus logique, au final, des deux qui va être ajoutée. On va commencer par l'alliance avec les Draenei. Et les Draenei, comme je vous l'ai dit, on le voit, ce physique est totalement inspiré d'Archimonde pour le côté monstre, encore une fois. Je vous laisse aller voir la généalogie des Draenei, puisque les Draenei, ça veut dire les exilés, puisque sinon, les Draenei, ce sont des Ereda. Généalogie Draenei pour plus de détails. Donc, comment les Draenei ont-ils rejoint le monde d'Azeroth? Eh bien, ils ont tout simplement pris... Il existe des vaisseaux, c'est les vaisseaux en fait dont les Draenei se sont servis pour fuir Argus, donc les Eredar, lors de la prise de pouvoir en fait d'Archimonde et de Kil'jaeden. Velen, le grand prophète Velen, s'était exilé avec plusieurs Eredar. C'est comme ça, comme ce sont des exilés, ils vont prendre le nom de Draenei et ils vont trouver un refuge, malgré qu'ils soient poursuivis par la Légion Ardente, ils vont trouver un refuge en la personne. La planète Draenor, donc le monde des exilés, littéralement le monde des exilés. Et Draenor, ils vont s'y établir à peu près, la trame c'est à peu près 350, enfin entre 300 et 500 ans, je crois que c'est 350 ans à peu près, où ils vont vivre en paix avec les races qui peuplent Draenor, à savoir les orques, les ogres, etc. Bien sûr, il va y avoir des échauffourées à certains moments, mais globalement, c'est en paix avec les orques. Jusqu'à ce que les orques, corrompus par Ner'zhul dans un premier temps, puis Gul'dan, surtout Gul'dan, qui va faire un pacte avec la Légion Ardente, avec Kil'jaeden. Kil'jaeden traque ses anciens frères, les Draenei, et du coup, il va utiliser les orques pour massacrer les Draenei, puisque Kil'jaeden a une haine, c'était déjà dit dans Warcraft 2, dans le manuel de Warcraft 2, mais c'est redit dans le manuel de Burning Crusade, il a une haine à l'égard des Draenei. Au final, les orques massacrent les Draenei et sans adversaire, eh bien, il va falloir se tourner vers un autre monde, un monde que Sargeras convoite, à savoir le monde d'Azeroth. Le truc, c'est que justement à l'époque de Burning Crusade, Illidan a pris le contrôle et les Draenei survivants, menés par Velen, se cachent bien sûr, mais à un moment donné, ils voient que la Légion Ardente continue à revenir et ça commence à chauffer un petit peu, et ils vont utiliser un de ces vaisseaux qui leur a permis de rejoindre Draenor, à savoir l'Exodar, donc un des vaisseaux satellites du donjon de la tempête. Ils vont se servir de l'Exodar pour pouvoir fuir et essayer de trouver des renforts de l'aide. Et en l'occurrence, les elfes de sang de Kel'thas vont saboter l'Exodar et vont, alors qu'à la base ils voulaient pas spécialement Nazeroth, ils voulaient juste partir. Finalement, et bien comme par hasard, hein, c'est incroyable, le sabotage va faire en sorte que l'Exodar va s'écraser où? Et bien, incroyable chance sur le monde d'Azeroth,
Et au final, ils vont s'écraser dans un endroit qui s'appelle l'île de Brume Azur, où il va y avoir tout simplement, et bien c'est un archipel, pas loin de Teldrassil et Darnassus, donc la côte ouest de Kalimdor. Heureusement, il n'y avait personne sur place, c'était des îles inexplorées évidemment. Et du coup, les Draenei se posent là. D'ailleurs, ce qui est très drôle pour l'amusement, c'est qu'Il'jaïnen est tout à fait au courant. Alors, ça, c'est dit dans Chronicles, hein, à l'époque, c'était pas dit. Mais dans Chronicles, qui essaye de reparler un peu des plans, dans Chronicles 3, volume 3, et, bah, ils disent que Il'jaïnen est au courant que les Draenei arrivent sur Azeroth. Mais lui, qui a une haine, il pourchasse les Draenei depuis des milliers d'années, là, non, c'est bon, c'est pas grave. Qu'ils aillent sur Azeroth, c'est pas grave. Cohérence. Hein. Donc, ils s'échappent vers Azeroth et au final, ils recherchent des alliés. Ils vont trouver donc les alliés les plus, enfin les personnes les plus proches. C'est tout simplement des elfes de la nuit. Les elfes de la nuit, au départ, il y a des petits affrontements puisque ils ont l'impression de voir des démons d'Archimonde en fait. Donc, il y a des petits affrontements, mais au final, ils voient que les Draenei sont profondément en accord, on va dire en amour pour la lumière, en vénération de la lumière avec les Naru. Et en plus de ça, ils ne cherchent que la paix, donc ils vont avoir des échanges commerciaux avec les elfes de la nuit qui vont les faire venir dans l'Alliance et qui vont surtout trouver des alliés en la personne des humains et autres, puisque ils sont en affrontement avec des orques et les Draenei détestent les orques. Du coup, ça passe, on va dire, c'est assez cohérent que les Draenei rejoignent l'Alliance. Et leur leader, c'est tout simplement Velen. Petite anecdote, ce qui est très drôle, c'est que les elfes de sang, comme on vous l'a dit avant, vont rejoindre la Horde, et d'un point de vue de gameplay, c'est très avantageux puisque il y a deux continents. Azeroth, le continent des royaumes de l'Est, et Kalimdor. En Kalimdor, il y avait une faction de l'Alliance pour trois factions de la Horde, et du côté du continent d'Azeroth, il y a trois factions de l'Alliance pour une faction de la Horde. Comme de par hasard, les elfes de sang vont s'ajouter aux réprouvés pour faire deux factions de la Horde, trois factions de l'Alliance sur les royaumes de l'Est, et du côté de Kalimdor, trois factions de la Horde, une seule faction de l'Alliance, les elfes de la nuit, qui n'ont déjà rien à foutre dans l'Alliance, on va leur ajouter les Draenei pour faire 2-3. 2-3. Incroyable, hein, ce superbe calque pour faire en sorte que les joueurs de l'Alliance et de la Horde, ça existait déjà à Burning Crusade, soient contents de chaque côté. Comme ça, ça fait 2-3-2-3, l'équilibre est respecté, la symétrie est parfaite. Incroyable. Donc, maintenant, on va parler de la refonte, bien sûr, des Draenei, puisque, encore une fois, les Draenei, à la base, nous, on en avait parlé. Les Draenei, c'est une race créée à Warcraft 2, et qu'on a vu pour la première fois à Warcraft 3, avec, tout simplement, Akama et ses Draenei. Le truc, c'est que il fallait expliquer pourquoi Akama ne ressemblait pas aux autres Draenei. En fait, Akama, il était dit que c'était des roués, donc des Draenei qui ont été corrompus par les énergies gangrénées et autres, ce qui explique pourquoi un Draenei comme ça est passé à comme ça. Et donc là, en l'occurrence, c'est Nobundo, un des héros Draenei. Et au final, on voit justement ce changement de forme. Et du coup, les Draenei, avec ces espèces de fanons, de baleines, ce sont tout simplement des roués, donc des Draenei. Encore une fois, la généalogie sur les Draenei, je n'irai pas plus loin. Mais voilà, on a ce changement d'apparence qui était expliqué pourquoi Akama, du coup, n'est pas forcément avec Velen de base. Donc l'Exodar, comme je l'ai dit, s'est posé en Brume Azur, et voilà, ça ressemble un petit peu à ça, hein, ces espèces d'immenses vaisseaux cristallins, et il va y en avoir plusieurs, et les autres sont notamment encore en Draenor, encore en Outre-Terre. Du côté des elfes de sang, parce que pour les Draenei, ça reste un retcon, hein, pour les Draenei ça reste un retcon, mais c'est plutôt une explicitation, on essaye d'expliciter un peu plus l'histoire des Draenei avec leur culture, cette lumière justement, enfin ces êtres de lumière, les Naru qui les guident et autres. Donc, et au final, le fait qu'ils rejoignent l'Alliance, ça reste cohérent, leurs adversaires étant les orques étant face à l'Alliance, le fait en plus que eux aussi vénèrent la lumière comme les humains, comme les nains, etc., ça passe tout à fait. Maintenant, passons aux elfes de sang, où c'est beaucoup moins cohérent, et vous allez le voir direct, puisque la très grande majorité des elfes de sang, si vous avez joué à Frozen Throne, vous savez que quasiment tous les elfes de sang quittent Azeroth pour rejoindre les terres dévastées, l'outre-terre Draenor. Le truc, donc ça c'est dans la mission bonus, quand Vash libère Kaltas, vous avez la mission bonus qui vous permet de voir justement l'évacuation des elfes de sang. Si vous avez fait cette mission, vous voyez qu'il y a pas mal de monde qui franchit le portail. Ça, ce sera Redcon à Burning Crusade, où ils disent qu'en fait seulement 15% des forces elfes de sang ont traversé le portail, les autres restent à Silvermoon. Ce qui est très drôle, c'est que Kaltas, quand il traverse le portail dans Warcraft 3, Frozen Throne, il dit justement qu'il n'a de toute façon rien ne le retient en Azeroth. Parce qu'il a tout perdu, etc.
C'est assez drôle. C'est assez drôle quand même. Et ils expliquent justement que les elfes de sang sont un peu les Romains Michel, hein, un petit peu les gens du voyage, puisqu'ils n'ont plus de chez eux, hein, tout a été corrompu, tout a été détruit par les morts-vivants et autres. Redcon complètement à Burning Crusade, ça, puisque 80, donc plus de 80% des elfes de sang sont encore présents en Azeroth, seulement une petite partie, une fraction, est présente en Outre-Terre. Incroyable, il y en a quand même vachement en plus en Outre-Terre pour une toute petite partie. Et ça va être drôle parce que c'est pas fini. Les Kel'Thalas qui étaient censés avoir été ravagés par les forces du fléau Arthas, si vous avez fait la campagne Reign of Chaos, vous savez que vous avez tout corrompu, tout détruit. Eh bien, on peut le dire que Kel'Thalas c'est quand même vachement bien remis. Si vous faites un elfe de sang à Burning Crusade, vous pouvez toujours le faire, hein, la zone n'a pas changé. Silvermoon est en reconstruction, ça fait 15 ans que ça dure, hein, c'est quand même incroyable. Elle a toujours pas. Ils sont un peu paresseux quand même, hein, les ingénieurs elfes de sang. Mais en l'occurrence, les bois, hein, les Versong Woods, hein, les bois des champs éternels sont quand même vachement bien entretenus. Hein. C'est le côté aussi automne pour ressembler un peu plus au code couleur F200, rouge-orangé. C'est quand même vachement incroyable, c'est super beau. Il y a la petite balafre au milieu, mais sinon globalement c'est plutôt sympa. En fait, Kel'Thalas devrait ressembler quasiment tout le temps aux terres fantômes. Hein. Les terres fantômes, c'est devrait être l'apparence. D'ailleurs, ceci a été un peu explicité dans des nouvelles de Cataclysme où ils expliquent un petit peu en fait que la forêt des champs éternels a été remise un petit peu, enfin, a été magiquement retravaillée, mais qu'il y a encore des balafres qui ne peuvent pas être corrigées. Et au final, je suis désolé, mais Kel'Thalas est censé avoir été détruit. À revoir aussi belle et aussi majestueuse qu'à l'époque où, à l'époque de l'invasion. Là, on voit le côté fan service avec cette intégration-là. C'était vraiment l'idée, on a envie de voir Kel'Thalas, on a envie de jouer à Kel'Thalas, donc on va vous la ramener, même si ça n'a aucun sens d'un point de vue historique. Au final, pour vous montrer déjà qu'il y a un énorme problème avec les elfes de sang, puisque c'est pas terminé, les joueurs parlent de troisième faction et autres. À l'époque, il y a plusieurs factions. Il y a le fléau avec les morts-vivants, les Illidari et autres. Kel'Thas est un des généraux, une des têtes pensantes des Illidari. C'est un des quatre grands meneurs des Illidari. Il y en a cinq après avec Argath, mais il fait partie des grands du conseil, enfin de l'état-major des Illidari. Mais au final, donc il est le prince des elfes de sang, donc le chef des elfes de sang, et il est en Draenor avec une partie de ses troupes. Au final, ce qui est très bon, c'est que les elfes de sang de la Horde, ce ne sont pas ceux de Kel'Thas. Kel'Thas n'a jamais fait partie de la Horde. C'est incroyable. Les elfes de sang sont une des races jouables de la Horde. Leur leader n'a jamais fait partie de la Horde. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Kel'Thas, avec les rescapés, les réfugiés qui sont restés en Kel'Thalas, hein, qui ont été rétroactivés, je dirais, eh bien, Kel'Thas a nommé un seigneur régent, que vous voyez au centre, Lorthemar Theron. Et il va tout simplement diriger les rescapés, elfes de sang, restés en arrière, restés en Azeroth, restés à Silvermoon, donc à Lune d'Argent, la capitale des elfes de sang. Ce qui est très drôle, c'est que du coup, un triumvirat va être formé. Donc Lorthemar Theron, c'était tout simplement le bras droit de Sylvanas à l'époque où elle était encore une haut-elfe, et il est tout simplement devenu donc le chef des forestiers. Mais comme il a fallu mettre quelqu'un de compétent, eh bien c'est lui qui va devenir le seigneur régent, en l'absence de Kel'Thas resté en Outre-Terre. Donc il devient le chef des réfugiés, enfin des rescapés elfes de sang, donc des citadins je dirais. Et nous avons donc Alduron Luizel, Alduron Brightwing, qui est à sa gauche en vert, et qui était le bras droit de Lorthemar, donc le numéro 3 des forestiers, qui devient, comme Lorthemar devient autre chose que le seigneur forestier, c'est Alduron qui va devenir le seigneur des forestiers. Et enfin, le mec tout à droite, avec un skin qui est superbe pour l'époque, c'est Romat, qui était l'un des lieutenants, donc probablement un des lieutenants qu'on libère dans l'émission de Frozen Throne, qui était un des bras droits de Kel'Thas, qui lui, tout simplement, est le chef des magistères, qui va enseigner aux elfes de sang comment siphonner les énergies démoniaques comme Illidan l'a appris à Kel'Thas. Donc ça c'est le triumvirat, c'est tout simplement le corps dirigeant des rescapés et des citadins de Silvermoon. Donc ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que du coup, eh bien, comme Lorthemar est en train de se faire défoncer, par les morts vivants, eh bien il a fallu de l'aide, et cette aide elle va arriver en la personne de notre cher Sylvanas, puisque les elfes de sang ont des gros problèmes et il faut de l'aide. Et en l'occurrence, cette aide, c'est les réprouvés qui vont leur offrir, puisque Sylvanas est une ancienne haut elfe, donc elle se lie un petit peu, elle prend en pitié les elfes de sang, mais en plus de ça, ça lui permet d'avoir un maillon, lui permet d'avoir un levier avec une race qu'elle a sous sa botte dans la Horde pour augmenter sa position. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important, puisque, eh bien,
notre cher Sylvanas va aider les Elfes de Sang à survivre contre les forces du fléau. Les deux sont alliés face au même ennemi, hein, face au roi Lich et Arthas. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Donc c'est seulement ce camp-là fait partie de la Horde. Les Elfes de Sang jouables, c'est cette faction-là. C'est les réfugiés de Silvermoon. Maintenant, il y a encore une nouvelle faction chez les Elfes de Sang. Une autre, les Clairvoyants. Alors les Clairvoyants, ils sont dirigés par Vorenthal, l'un des généraux de Kael'thas, donc encore une fois un des lieutenants de Kael'thas, qui est très respecté d'ailleurs, hein, Vorenthal, et il a notamment, il est très proche de la lumière, et il a notamment, donc c'est un mage, mais il a quand même, il est très proche de la lumière, hein, on sort du carcan nouveau bien sûr, et il va avoir une vision d'un Naru qui va lui montrer le destin de sa race, et au final, eh bien, il va faire sécession des forces de Kael'thas. Il est même dit aussi d'ailleurs que Kael'thas, comme c'est devenu un grand méchant de série Z, il maltraite ses troupes, et maltraite notamment la légion de Vorenthal, et Vorenthal, eh bien, il va faire sécession et va devenir un général rebelle acquis à la cause des Naru. Et du coup, il va s'établir à Shattrath, Shattrath ou Shattra comme vous voulez, la capitale tout simplement des Draenei survivants et des Naru, donc de la lumière. Et c'est pour ça qu'ils s'appellent les clairvoyants, puisqu'ils ont eu cette vision qui leur a permis de se libérer de l'emprise des Illidari. Donc c'est des anciens Illidari qui ont fait sécession. Donc il va défendre la capitale Shattra face aux invasions Illidari. Donc ça, c'est une autre faction, et c'est très drôle, on y reviendra à la fin, puisque cette faction-là, maintenant, eh bien, elle n'est plus du tout utilisée. Ça, c'est un petit peu dommage, d'ailleurs. Il est temps de parler de l'invasion avec l'ouverture de la porte. L'ouverture de la porte, maintenant qu'on a parlé des différentes factions. Nous avons donc eh bien Kazakh, comme je vous l'ai dit, qui a ouvert la porte, et en l'occurrence l'Alliance et la Horde vont rentrer, vont traverser le portail et vont s'établir en Draenor avec leurs différentes troupes. Il va falloir bien sûr consolider les positions, et on va commencer cette fois-ci par la Horde. La Horde avec le numéro 2 de la Horde à l'époque, le bras droit de Thrall, Nazgrel, qui était apparu à Frozen Throne, mais qui était surtout apparu dans le jeu vidéo abandonné qui avait été un peu mis de côté. Nazgrel était le bras droit de Thrall déjà à l'époque, et il est bras droit de Thrall lors de la campagne de la Horde de Frozen Throne, et il reste du coup le numéro 2 de Thrall, et c'est lui qui va eh bien, diriger les forces de la Horde. Sachant qu'il va donc créer, il va fonder un bastion sur place, le bastion de Thralmar, en hommage bien sûr au chef de guerre Thrall, et il va lutter notamment contre leurs frères, leurs cousins, les Gangorks principalement, qui se sont établis à la péninsule des Flammes Infernales. À la citadelle de la péninsule des Flammes Infernales. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il va du coup redécouvrir d'anciennes tribus orques, et le foyer, en fait l'ancien foyer bien sûr, le monde natal, le monde d'origine des orques, et il va découvrir une tribu, un clan d'orques marrons, d'orques à la peau marron, et ce qui est très drôle, il s'appelle les Magar. Ce qui est très drôle, c'est que c'est une création de Burning Crusade, les Magar, avec ces orques à la peau marron. Je rappelle le contexte, à l'époque, venait de sortir Le Seigneur des Anneaux, où les orques ont la peau marron, et ça commençait à devenir à la mode. Dans les Elder Scrolls, les orques ont la peau marron, dans les Heroes of Might and Magic, ça commençait à arriver, les orques avaient la peau marron, donc dans les Might and Magic. Du coup, je rappelle que Warcraft à la base c'était un jeu Warhammer qui n'a pas eu l'aval des développeurs, enfin de Warhammer de Games Workshop, et du coup ils ont fait leur propre jeu, Warcraft, et du coup les orques avaient la peau verte comme dans Warhammer. Le truc, c'est qu'ils ont petit à petit eu envie d'arrêter de se faire appeler un sous-Warhammer, et ils ont commencé à prendre un peu leur distance. Et les orques, notamment en faisant des orques intelligents, etc., ce qui est une très bonne chose. Et bien à l'époque, ils se sont dit, on va faire des orques marrons, et on va apporter un peu de background en plus aux orques qui redécouvrent leur territoire initial, leur territoire d'origine. Du coup, il a fallu créer, bien sûr, de nouveaux orques, un clan orc, un magar qui regroupe tous les orques qui avaient été mis de côté et qui n'avaient pas bu le sang de Manoroth, et maintenant eh bien, il y a un retcon, c'est tout simplement le fait que les orques qui n'ont pas bu le sang de Manoroth, eh bien, ils ont la peau marron, alors qu'en fait il a toujours été dit que les orques avaient la peau verte, et quand tu buvais le sang de Manoroth, en fait il y avait ses yeux rouges injectés de sang, injectés de le pouvoir démoniaque, c'était tout, c'est ce qui faisait la différence physique entre Thrall et Grom, et si Grom rebuvait, il avait la peau rouge. À ce moment-là, eh bien, a été créée l'idée que en fait, les orques avaient tous la peau marron avant, et au final, en buvant le sang, ils avaient la peau verte. Ça, c'est un gros changement. Comment était expliqué justement, du coup, pourquoi Thrall a la peau verte alors que bah, lui, il n'a pas bu le sang, par exemple? Eh bien, c'était dit qu'en fait, les orques à la peau verte, passivement, on va dire, dans l'air, eh bien,
corrompait les autres orques qui n'avaient pas bu le sang, et eux aussi devenaient des orques à la peau verte. Donc ça, c'est un procédé incroyable. Le truc, c'est que du coup, les Magars avaient été mis de côté pour pas qu'ils soient infectés. Enfin, c'était des orques malades, des vieux, etc. Et du coup, c'était l'allié des orques et ceux qui n'avaient pas l'honneur pour pouvoir partir en guerre. Donc eux, ils avaient été parqués, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas la peau verte. Le truc qui est très drôle, c'est que Nazgrel va tomber sur un village orc, Magar, dans la péninsule des Flammes Infernales. L'endroit où ceux qui n'ont pas bu le sang sont devenus verts, puisqu'ils étaient en contact avec les orques corrompus. Au centre, je vais vous rouvrir la carte, au centre de la péninsule des Flammes Infernales, vous voyez Hellfire Citadel, la citadelle des Flammes Infernales. C'est l'endroit, c'est le QG de la Gangre Horde, où siègent notamment Kargath et où ils utilisent Mactéridon pour faire boire le sang des autres orques. Ils sont au contact proche, ils sont dans les montagnes du nord, au nord-ouest de la citadelle des Flammes Infernales. Ils sont au contact de ces gangres orques, mais leur peau reste marron. Alors là, faut pas chercher une explication, hein, c'est incohérence, mesdames et messieurs. Et le truc, c'est que justement, en voyant le contact avec les orques Magar, Nazgrel va enquêter et découvrir qu'il y a d'autres villages Magar, notamment en Agrand, à l'extrême ouest de Draenor, à l'extrême ouest tout simplement de l'Outre-Terre. Thrall va faire le voyage lui-même et va tomber sur différents grands noms des Magar, comme par exemple sa grand-mère, la grand-mère Gaia, hein, c'est ça la grand-mère tout simplement, qui avait été mise de côté, donc clan Frostwolf. On a donc le clan Lugir, on a également le fils de Kilrog Deadeye, Kilrog Humor, à savoir Jorin Deadeye, qui est le chef d'ailleurs des Magar, et qui ne sera pas réutilisé par la suite. Le fils de Kilrog, vous savez Kilrog, celui qui était le Sorfang avant Sorfang en gros, Jorin qui en gros est le Dranosh avant Dranosh, qui ne sera pas réutilisé. Quel dommage, vu la légitimité du bonhomme. Mais il va également croiser un autre personnage que tout le monde connaît j'imagine, Garrosh Hellscream, Garrosh Hurlenfer. C'est très drôle d'ailleurs puisque c'était marqué Garrosh, fils d'Hurlenfer. C'était son titre, c'était ce qui lui permet de personnifier le personnage. Et au final, Garrosh Hellscream, faites les quêtes, vous verrez, je ne vous mens pas hein, là-dessus. Il est décrit à l'époque comme un orque pleurnichard, complètement lâche et qui est juste ridicule. C'est Jorin lui-même, quand il vous prenez sa quête, qui tacle Garrosh en disant qu'il chiale devant son feu de camp. c'est pas un vrai orque, etc., etc. Je trouve ça très drôle et Jorin y passe pour un mec un peu vénère. Et au final, Thrall va prendre en pitié Garrosh et va le prendre sous son aile en lui parlant notamment des actes héroïques de son père qui a libéré son peuple. Et ensuite, on en reparlera de Garrosh, bien entendu. Ce qui est petite anecdote d'ailleurs, puisque Garrosh Hurlenfer, Garrosh Hellscream a été créé un petit peu contre l'avis de certains scénaristes, notamment Chris Metzen qui était contre la création de Garrosh, mais malgré tout, pour le fanservice, ils ont ramené Garrosh Hellscream. Mais à la base, Chris Metzen était contre, et ça amènera des problèmes scénaristiques qui arriveront dans de prochaines extensions. De l'autre côté, du côté de l'Alliance, eh bien, on redécouvre également les survivants de la Deuxième Guerre, à savoir les fils de Lothar, donc notamment là que vous voyez à l'image Danath Trollbane, hein, Danath Trollmore. On a également Kurdran, donc Kurdran Wildhammer, donc Kurdran Marteau Sauveur, enfin Marteau Hardy, et également Khadgar, le grand magicien, le grand archimage, sachant que Turalion et Aleria sont manquants, ils ont disparu, mais les trois autres sont présents, et notamment Danath qui commande depuis le Bastion de l'Honneur, donc la forteresse qui va servir de base d'opération pour l'Alliance en Outre-Terre. Alors par contre d'ailleurs, canoniquement, je le dis souvent sur mes lives, mais le Bastion de l'Honneur n'a rien à foutre au milieu de la péninsule. Il est dit dans Warcraft 2, la fin de Warcraft 2, et même Danath le dit lui-même, ils sont censés se cacher des forces de Légion Ardente qui sont trop nombreuses pour lui, de la Gangre Horde, etc. Il ne pourrait pas tenir. Donc par souci de gameplay, il a fallu mettre Thralmar en face du Bastion de l'Honneur, mais le Bastion de l'Honneur, il devrait pas du tout être à l'endroit où il est. Parce qu'il est en... Comment voulez-vous être caché alors que vous êtes en plein milieu de la péninsule des Flammes Infernales? Ça n'a aucun sens, évidemment. Donc je tiens à le rappeler. Mais c'était par souci de gameplay, mais comprenez que ça devrait être caché dans des montagnes tout au sud-est par exemple, mais pas au plein milieu de la péninsule des Flammes Infernales. Hein, sinon on pourrait vraiment dire que les orques sont quand même complètement débiles de ne pas avoir vu « Ah bah ils sont cachés où les humains ?»« Ah bah je ne le trouve pas, il y a la grosse citadelle au milieu mais je ne la trouve pas !» Non, quand même, à un moment donné, soyons cohérents. Ce qui va être intéressant, c'est que la capitale que j'ai déjà évoquée, donc Shatrath, va être tout simplement la base d'opération de l'Alliance et de la Horde qui vont se coordonner. C'est là où ils vont redécouvrir d'ailleurs Khadgar et les Naru, et c'est là où ils vont parler avec les Draenei sur place. Et il va y avoir tout simplement, Shatrath va être un peu le QG d'opération des forces
coordonnées de l'Alliance et de la Horde. Ça, ça va être super important et ça va être l'endroit où on va nous envoyer un peu partout sur Draenor pour pouvoir attaquer les forces Illidari, les forces de la Légion Ardente ou tout simplement les menaces locales. Puisque comme je vous l'ai dit, je vais vous remontrer la carte. Ce qui est très intéressant, c'est que on redécouvre tous les territoires qu'on connaissait ou qu'on avait nommés dans Warcraft 2. Mais il y a également certaines créations. Il fallait bien sûr pas faire que des orques et des ogres. Il a fallu, et pas que des draenei non plus, il a fallu créer de nouvelles choses pour que le bestiaire, on va dire, soit un peu plus varié. Donc il va y avoir la création des Zarakoa, qui sont des espèces d'hommes. Après les hommes cochons, les hommes chevaux, eh bien on nous crée les hommes oiseaux, hein, les Zarakoa. Il y a également les Éthériens, qui sont des espèces d'élémentaires du vide. Un peu des élémentaires du vide, mais doués de parole. Et à côté de ça, nous avons donc les Naru, ces espèces de cristaux de lumière, qui bien sûr ont un rôle. Alors les Naru ont un rôle plus important, mais les Zarakoa et Éthériens ont un rôle pour le moment secondaire, voire tertiaire. Mais ça va étayer un petit peu, enfin ça va permettre de rendre un bestiaire un peu plus varié, et ça, notamment au niveau des univers, parce que sinon on aurait pu avoir que des déserts rouges et des marécages marrons. Il a fallu changer un petit peu et ça nous permet d'avoir pas mal de background. Il y a même aussi d'autres hommages et de clins d'œil, par exemple les dragons noirs avec le repère de Deathwing et les ogres avec la création des orgrons, etc. Donc ça c'est plutôt sympathique, je trouve. Donc voilà pour Shatra, qui sera tout simplement l'endroit où vous allez attaquer le safari, où Khadgar et Adal, le Naru présent sur place, le chef des Naru présent sur place, va vous envoyer toutes les missions, aller tuer machin, aller tuer machin, aller tuer machin, aller tuer machin. Puisque Burning Crusade, c'est tout simplement l'ouverture du safari. On y reviendra après. Burning Crusade, c'est un énorme fan service. Comme on surfe sur le succès de World of Warcraft, il faut mettre que des têtes connues qu'on va couper. C'est pire que la Révolution française. Ça guillotine à tout va les différents chefs qu'on connaissait, différentes figures connues de Warcraft 2 et de Warcraft 3. On fera un point à la fin, on mettra le tableau de chasse en place à la fin, mais c'est un massacre, c'est un carnage. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Au final, il y a également, quand même, il n'y aura pas que Dieu l'Outre-Terre, il y a également Karazhan, qui est un des territoires qui n'avait pas encore été montré à Vanilla. C'est tout simplement l'ancienne tour du gardien Medivh qui avait été... D'ailleurs, ça n'a pas du tout été fait, je trouve ça dommage, puisque la tour de Medivh est censée être une tour. Si vous avez lu Le Dernier Gardien, c'est un vieux livre, et moi j'avais pas trop aimé, mais il y avait des choses intéressantes dedans quand même. En fait, la tour est censée être identique en sortie de terre, mais également sous la terre. Donc la tour de Medivh, c'est censé être toute cette ascension-là, et la tour, on va dire les catacombes, sont censées être l'identique, mais en version, enfin l'opposé, la négative, on va dire. Et du coup, c'est l'endroit, normalement, justement, il y a les démons et Sargeras. Enfin, quand Khadgar et Lothar vont tuer Medivh, c'est justement tout au fond des catacombes où on le voit habité par Sargeras. Et ça n'a pas du tout été utilisé dans l'extension, ce qui est un peu dommage. Et au final, ils ont d'ailleurs un peu redcon Karazhan, hein, cet endroit, qui normalement est juste une tour solitaire où, eh bien, Medivh est un ermite. Là, ils ont rajouté des villages, d'autres personnes, etc. Alors qu'en fait, bah, sur le papier, non, justement, Medivh, il aime pas la compagnie des autres personnes, donc faire des fêtes, etc., c'est pas trop son délire. Donc là-dessus, ils ont complètement changé un petit peu avec le bureau, avec des salles de festivités et autres. Ça, c'était une création Burning Crusade, alors que ça allait à l'encontre de tout ce qu'on nous avait dit sur Medivh. Mais bon, on peut imaginer que c'était sa possession de Sargeras qui a fait ça. On peut l'expliquer de plein de manières, hein, ça, y a pas de souci, mais ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous a dit sur Medivh. Finalement, donc, comme je vous l'ai dit, Khadgar et Adal vont nous envoyer un peu partout. On va affronter plein de figures connues ou inconnues, mais plein de boss. Et on va tous les traquer et les détruire. Je vous ai montré du coup une image de Mactéridon, donc, qui trône dans la citadelle des Flammes Infernales. Il y aura d'ailleurs pas mal de raids contre la gang Horde, notamment on tuera Kargath, le chef de la gang Horde, Mactéridon qui approvisionne, on va dire, les orques en sang démoniaque, etc., etc. Notamment également le donjon de la tempête, où on nous expliquera dans ce raid pourquoi, comment justement les Draenei ont pu rejoindre Azeroth, et comment, c'est tout simplement le QG de Kael'thas, et c'est là où on apprend dans certaines de ses missions que Kael'thas a trahi Illidan, puisque il a fait un pacte avec tout simplement la Légion Ardente. Il n'est pas dit qu'il Jaidan, hein, c'est la Légion Ardente à ce moment-là, c'est tout. Il a plus d'influence et autres. Donc aucune mention de Kill Jaiden avant le Redcon Chronicles et les romans après, et notamment également le patch final de Burning Crusade, à savoir le réveil du Puits de Soleil. Donc trahison à cause du dédain et de la folie d'Illidan. C'est dit dans les quêtes, c'est folie d'Illidan, tout simplement. C'est la folie d'Illidan, du coup Kael'thas a pris ombrage, et il trahit et va s'allier à la Légion Ardente. Vraiment, hein, textuellement, c'est ce qui est dit dans une des quêtes de Rat du Néant. Incroyable.
incroyable extension en termes de lore. Ensuite, ce sera bien sûr expliqué un peu plus dans les différents livres et autres. Et c'est toujours pour des raisons de merde, hein, évidemment. Donc, utilisation... Alors, d'ailleurs, dans les raisons de merde qui sont évoquées, il y a le fait que... au final, Keltas va mettre de plus en plus de côté... Enfin, Keltas va être de plus en plus mis de côté par Illidan qui se concentre sur les chasseurs de démons. Et par exemple, dans le roman Hurlorage, il nous en parle, hein, que Illidan, au final, il se concentre sur les chasseurs de démons, quitte à laisser un peu les autres Illidari de côté. Il va... donc délaisser Keltas, et là il y a vraiment ce côté Santa Barbara incroyable en mode oh non mais Brian ne me répond plus, il ne me parle plus, oh là là, qu'est-ce que je vais faire. Il y a également donc l'utilisation donc des chasseurs de démons elfes de sang, il le voit un peu comme une insulte personnelle puisque bah, les chasseurs de enfin c'est son peuple qui est utilisé par Illidan. Incroyable, ça a changé depuis War 3, les ambitions personnelles, etc. Enfin, que des histoires à dormir debout, des conflits d'enfants de 5 ans, c'est un petit peu triste d'en venir là. Mais c'est pas terminé, hein, c'est pas terminé. L'écriture merveilleuse continue avec Akama, l'un des 4 grands leaders des Illidari, puisque même si Akama avait un rôle un petit peu... Enfin, c'est surtout à la fin de Frozen Throne où il va avoir un rôle plus important, mais... Donc quand Illidan, Keltas et Vash vont en Northrend pour affronter Ner'zhul, affronter le roi Lich et tuer le roi Lich, eh bien, qui on laisse derrière, c'est Akama, qui va tout simplement être le régent de l'Outre-Terre et de Draenor. Donc il va diriger toutes les forces Illidari restées en Draenor. Et il est censé consolider la base pour le retour d'Illidan. Donc il a quand même un rôle super important dans War 3. Et il a clairement... Enfin, Illidan l'a libéré et au final... ils ont combattu côte à côte contre Mactéridon, la Gangrande, etc. Akama a vu qu'Illidan utilisait des pouvoirs gangrénés, et comme je l'ai déjà dit, ce sont tous des parias, on va dire, de la société. Enfin, de leur société respective. Donc au final, Akama a voué, tout simplement a fait serment d'allégeance envers Illidan. Et à Burning Crusade, il fait son réveil, il se dit, mais attendez, ils utilisent la magie gangrénée, ils utilisent la gangrande, c'est pas très jojo ça, hein, quand même. Et Akama, il se dit, oh, bah, c'est pas terrible. Hein. Et Illidan, évidemment, comme c'est un méchant de série Z complet, hein, qui est tombé dans la folie, il va mettre en esclavage les roués, enfin, il y a une partie des roués, les cendres-langues. Et au final, ça, on sait pas d'où ça sort, hein, bien sûr, parce que bah, si jamais ils avaient dû se servir de main-d'œuvre, ça aurait plutôt été les gangrorques. Mais non, là c'est les roués, on sait pas pourquoi, alors que ils font partie des plus grands alliés d'Illidan, mais bon. Du coup c'est dit comme ça, et Akama il va commencer à s'énerver, à s'exciter, et il va se rebeller. Comment il va se rebeller? Bah notamment en libérant l'un des ennemis principaux d'Illidan qui avait été enfermé dans le Temple Noir, à savoir Maiev. Maiev Shadowsong, donc... Maiev chante l'ombre en français. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Et il va donc il va tout simplement libérer Maiev. Et Akama va vouloir du coup libérer le monde de Draenor contre la tyrannie d'Illidan. Quel tyran ce méchant Illidan. Donc il est pas content du tout, hein. Akama des années après il se rend compte de ce que fait Illidan. Il se sert des magies gangrénées, etc. Je veux dire, contre Mactéridon, Illidan, il a pas utilisé la lumière. Hein. Donc Akama, il s'en doutait. Hein. Mais bon, c'est l'écriture baissée. C'est l'écriture Burning Crusade. Et finalement, Illidan découvre la trahison d'Akama. Donc il va enfermer Akama et il va séparer son esprit avec son corps. Et il va créer l'ombre d'Akama. Qui, lui, l'ombre d'Akama servira fidèlement Illidan. Alors qu'Akama est enfermé dans la prison du Temple Noir. C'est le moment où justement, c'est toutes les quêtes qui vont ouvrir le Temple Noir, qui vont permettre l'obtention du raid du Temple Noir, et en fait, eh bien, à la fin, vous avez Maiev qui va libérer Akama, mais il faudra quand même se confronter à l'ombre d'Akama. C'est incroyable. Et à la fin, donc tout ça finira, ça aboutira à la capture d'Illidan, et tout simplement au meurtre d'Illidan. Donc Illidan sera tué dans le Temple Noir. Quel beau raid, c'était incroyable. Alors pas le gameplay, vous pouvez aimer, hein. Bien entendu, vous pouvez aimer le Temple Noir. D'un point de vue lore, c'est totalement incroyable de massacrer. En fait, il tue Illidan à ce moment-là. Il tue Illidan. Et sachant qu'en plus, bon, à la fin, on aurait pu se dire qu'il n'était pas mort, etc. Même dans les retcons, même dans les trucs, parce que je rappelle que Légion est un retcon en grande partie de Burning Crusade, il y a beaucoup de choses qui vont être réécrites parce que c'était de la merde, hein, il faut le dire, à l'époque. Parce que bah, Burning Crusade va massacrer plein de figures connues. Alors que Illidan est quand même un personnage qui, même s'il peut mourir, il n'y a pas de problème, Illidan amène quand même énormément de choses en termes scénaristiques. Et au final, il va être tué, comme tous les autres chefs.
Et voilà, c'est tout. Fin d'Illidan. En fait, il est tombé dans la folie, il utilise ses troupes, un grand méchant. Allez hop, on le tue. Et du coup, il sera ramené. Ce qui est dommage, c'est juste d'avoir dit qu'il avait été tué alors qu'il aurait fallu juste qu'il soit capturé. Mais bon, ça c'est autre chose, on y reparlera dans Légion. Donc, tout sera notamment, comme je vous l'ai dit, revu en partie avec le roman Hurlerage, les deux romans sur Hurlerage d'ailleurs, Chronicles et en grande partie Légion, qui réécriront et qui permettront de ramener Illidan. En même temps, Burning Crusade avait tellement saccagé le personnage, il fallait bien le rattraper tout ça. Suite à l'extension du Temple Noir, nous avons une extension qui sort de nulle part. On est en Outre-Terre, on se fout sur la gueule avec des démons, la Légion Ardente, tout ça, le plan plus global. Et là, Zulaman. Les dieux de Zulaman. Alors, quand vous avez vu la cinématique et tout, vous vous dites, oh, c'est classe, Zulaman, c'est une extension qui a marqué l'esprit des joueurs, c'est super classe, les trolls, tout ça, on retrouve les Amani. On est vraiment, on voit encore Burning Crusade, le côté hommage à World of War 3, les trolls des forêts qui reviennent. Le problème, c'est que, bah, encore une fois, ils reviennent comme tableau de chasse. Hein. C'est Zul'jin qui revient et qui est pas content, parce que les Z200 sont dans la Horde. Et du coup, il déclare la guerre à l'Alliance. Bon, ça, pas de problème, hein, je veux dire, il s'est battu contre l'Alliance pendant je sais pas combien de temps, même si c'est pas la même Alliance, pour lui c'est la même merde. Mais la Horde, il se bat contre la Horde, contre des trolls, contre des orques. Je rappelle que les trolls dans War 3 ils disent quand même vengeance pour Zul'jin, hein, donc il y a quand même une certaine proximité. Les orques avec qui il s'est battu pendant la deuxième guerre, ils ont saigné ensemble, ils ont sué ensemble, parce qu'il y a les elfes de sang dans la Horde. Donc Zul'jin il pète un câble, sachant que ce qui est très drôle, faites les quêtes des Interlands, puisqu'il y a des trolls des forêts qui sont dans la Horde, hein, je le rappelle, les Raven Tusk, donc les Vengebroches en français. Lisez, faites ces quêtes-là en Interlands, que ce soit à classique ou même les quêtes de Cataclysme, donc même maintenant. Faites ces quêtes-là, vous verrez, vous parlez avec l'ancien du village de Raven Tusk, il vous dit, Zul'jin n'aurait jamais toléré les agissements des trolls des forêts qui se rebellent contre la Horde, etc. Ça c'était Vanilla, et c'est resté en plus à Cataclysme. Hein. Et c'est très drôle parce que, du coup, à Burning Crusade, Zul'jin, bah, il est pas content. Alors Zul'jin, on le connaît dans Burning Crusade, avec un bras en moins et un œil en moins. Il y a un problème. C'est que les trolls sont inspirés de Warcraft, sont inspirés aussi de ceux de Warhammer, et tous les trolls des univers d'Heroic Fantasy, ils ont un pouvoir de régénération qui vient de la mythologie scandinave. Les trolls, il faut même les cramer parce que sinon leurs membres repoussent. Vous voyez où je veux en venir. Il y a un problème. C'est que Zul'jin, bah, il a un bras qui repousse pas. Or, c'est quelque chose de physiologique. Les trolls, leurs membres repoussent. C'est comme une queue de lézard, vous la coupez, elle va repousser. C'est pareil avec les trolls, avec des membres. Du coup, comment expliquer pourquoi il n'a qu'un seul bras? Parce qu'il fallait montrer le côté vétéran de Zul'jin, etc., etc. Zul'jin qui est un lanceur de hache dans Warcraft 2, qui devient une espèce de chaman corps à corps, de chaman Kung Fu Panda, de Kung Fu Shaman dans Zulaman. Comment expliquer pourquoi son bras ne repousse pas? Et bien en fait, c'est parce que les Loa ont maudit Zul'jin et ils ne respectent pas les agissements, parce que Zul'jin ne respecte pas les agissements, etc. De tout ça. Donc les Loa ont pris ombrage de Zul'jin. Ok, on pourrait imaginer ça. À la base, la régénération n'a rien à voir avec les Loa, mais une régénération naturelle. Suite au retcon de Burning Crusade, on dirait que la régénération maintenant est due au Loa. Ce sera d'ailleurs une blague de Zul'jin dans Heroes of the Storm, ce qui se moque de ce truc-là. Et au final, Zul'jin, le problème, c'est qu'en fait, il fait quoi dans Zulaman en tant que boss? Bien, il utilise les Loa pour changer de forme, etc., qui lui concède sa forme, machin. Donc en gros, les Loa lui refusent la régénération, mais lui prêtent son pouvoir pour qu'il puisse prendre d'autres formes et pouvoir se battre grâce à grâce aux Loa. Ok. C'est assez intéressant, hein. Donc monsieur fait la guéguerre à la Horde et l'Alliance. Il a perdu la grâce des Loa, mais il a la grâce des Loa pour changer de forme. Ok. Ça représente bien Burning Crusade, ça, hein. D'un autre côté d'ailleurs, Zulaman, je vous ai dit, hein, cette extension, on se demande ce qu'elle fout là, c'est un peu un ovni dans les patchs de Burning Crusade. C'est pas pour rien, c'est parce que justement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les patchs sont vus. Enfin, en fait, Blizzard à l'époque travaille patch par patch. Ils ont pas une fin à l'époque. Personne ne s'attend à ce que ce soit Kil'jaeden, le grand méchant de Burning Crusade. Mais même chez Blizzard, il y avait des interviews et autres qui disaient justement qu'ils ne savaient pas qui allait être le chef d'extension. À la base, c'était pas prévu que ce soit Kil'jaeden. Donc ils travaillent vraiment patch par patch. Et ils se sont dit, bah, Zulaman, avec l'intrigue des elfes de sang contre certains trolls à manie et tout, boum, on va faire Zulaman. Voilà, c'est pour ça qu'il y a Zulaman. Ça n'a aucun lien avec le reste, mais c'est Zulaman. Du coup,
le dernier patch pour Burning Crusade, c'est le réveil du puits de soleil. Le réveil du puits de soleil, c'est assez incroyable. C'est tout simplement Kel'Thas qui n'est pas mort. Et non, on l'avait tué dans le bastion de le bastion de la tempête. Mais au final, eh bien, il a été sauvé par une Shivara, donc un démon. Et en fait, eh bien, Kel'Thas, il se moque de nous, puisque Kel'Thas en fait n'était en vie. Il a été réanimé, ou en tout cas, il est revenu en tant que démon, en tant que bras droit de Kil'jaeden. Et eh bien, il va utiliser le puits de soleil, un petit peu comme les elfes de la nuit à l'époque, les bien-nés avaient utilisé le puits d'éternité pour faire venir Archimonde et essayer de faire venir Sargeras en Azeroth. Et eh bien, il va se servir du puits de soleil qui a été, bon, je vous passe le truc, hein, le puits de soleil, il a été remis dans les mangas, notamment par Kalegos et autres. Du coup, le puits de soleil avait été remis à sa vraie forme. Kel'Thas va l'utiliser pour invoquer Kil'jaeden en Azeroth. Oh là là, c'est incroyable, il faut repousser ce méchant Kel'Thas. Donc là, Kel'Thas, c'est formidable. Ce qui revient en tant que démon. Donc ça, c'est très drôle, parce que pourquoi il revient pas dans... pourquoi il revient pas à Légion, du coup. Mais le truc incroyable, c'est surtout, donc Kel'Thas revient en tant que démon, il continue de servir à la Légion Ardente, et il veut réinvoquer Kil'jaeden dans notre monde. Et là... attention, ouverture des guillemets, citation l'une des plus célèbres de World of Warcraft, du série. Là, ça vous montre l'écriture de Kel'Thas à Burning Crusade. Ne prenez pas un air si satisfait. Je sais à quoi vous pensez, mais le donjon de la tempête n'était qu'un petit contretemps. Croyez-vous vraiment que je confierais notre avenir à un aveugle, un bâtard demi-elfe de la nuit? Oh non, ce n'était qu'une étape vers un projet plus global. C'est ce qui nous amène ici. Et cette fois, vous ne vous en mêlerez pas. Kel'Thas, écriture de Kel'Thas, y a rien qui va, y a rien qui va avec Kel'Thas dans cette citation. Et après on me demande pourquoi je n'aime pas Burning Crusade. Bah vous commencez à voir, je pense, le schéma prendre forme. Et il est temps de faire, donc voilà, fin de Burning Crusade, nous avons réussi à vaincre, à repousser on a réussi à fermer le portail, un peu pour faire hommage à la fin de Sargeras dans la guerre des anciens. En gros, le portail se referme sur Kil'jaeden, du coup Kil'jaeden n'a pas pu, été repoussé, il n'a pas pu, eh bien, traverser le portail. Voici le tableau de chasse de Burning Crusade, mesdames et messieurs. Et encore, il n'est pas tout à fait complet, on y reviendra juste après. Je vais faire... de gauche à droite, de haut en bas, les personnages importants, majeurs, qui ont été tués à Burning Crusade. Alors, tués ou vaincus, mais là, c'est quasiment... à part deux personnages, tous les autres ont été tués à Burning Crusade. Alors, commençons par Dantarg, donc l'ancien bras droit de Ner'zhul, qui n'est pas tué à Burning Crusade, mais en fait, c'est le... Je vous avais dit, vous savez, les romans sur Warcraft 2, donc Tides of Darkness and Beyond the Dark Portal, qui permettaient de ramener un petit peu tout ça pour préparer Burning Crusade. Et bien, Dantarg est tué dans ce roman-là, et Kil'rog est également tué des mains de Danath. Je vous laisse voir les vidéos de Warcraft 2. Dans ces romans-là, donc ils sont tués à l'époque de Burning Crusade. Pas dans le jeu lui-même, hors écran en plus. Donc, je rappelle, Kil'rog était un des plus grands généraux de la Horde, Dantarg était le bras droit de Ner'zhul. Voilà. Donc, on tue des deux personnages principaux du côté Horde, comme ça, en mode hop. Celui d'après, c'est encore meilleur, Warcraft 2 également. Donc, Kil'rog Deadeye, qui est le chef du clan Bleeding Hollow, donc l'orbite sanglante, et Dantarg, qui est du coup le co-chef en fait, hein, du clan Shadow Song, donc Shadow Moon, pardon, les Ombres Lunes, tout simplement. Et enfin, nous avons donc celui à droite avec la tête de loup, c'est Fenris. Fenris qui, à partir de World of Draenor, deviendra l'oncle de Thrall, etc., etc. Fenris, chef des Thunderlords, donc des Sire Tonnerre. Bah lui, on sait même pas. Il a disparu. Il a disparu. On sait même pas ce qu'il advient de Fenris. Pour vous donner un niveau, le niveau de l'écriture. Fenris, on sait pas ce qu'il devient dans Burning Crusade. Il est pas là. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que les Thunderlords, les Sire Tonnerre, parce que les Bleeding Hollow par exemple vont être corrompus et sont dans la Gangrorde. Sauf certains, notamment les restes qui n'ont pas été corrompus, menés par le fils de Kil'rog, Jorin. Mais les Sire Tonnerre, eux, sont dans l'Horde, ils sont intégrés dans l'Horde. Mais Fenris, il a disparu. On sait pas où il est. Il est parti un jour, il a dit je vais chercher du lait, et il a abandonné tout le monde. Ensuite, on a deux grands orques avec tout simplement Kargath, tout simplement, donc Kargath. Donc, qui est tout simplement le chef du clan Shatredens, donc les mains brisées. Donc Kargath, l'âme-point, hein, Kargath est tué, il est le chef de la Gangrorde, un des bras droits d'Illidan, et il va être tué dans un des raids de la citadelle des Flammes Infernales. Ensuite, nous avons Tagar Spinebreaker, qui est le chef du clan Bunchewers, donc le clan Mâche les Os.
Et le pire, c'est que lui, il n'y a même pas de quête pour le tuer, même pas de raid. Il est tué comme un vulgaire péon, un personnage qui vagabonde pas loin de la citadelle des flammes infernales. Je l'ai tué il n'y a pas longtemps en stream. Si Eva m'avait pas dit « Regarde qui tu es en train de taper », je n'avais même pas vu qui c'était. Il n'y a pas de quête pour le tuer. C'est le chef du clan Bunchubers. Et il a même été réintégré dans le livre, etc. Hein. Et c'est tout. Pas de quête, pas de raid, que dalle. Ensuite, nous avons donc les deux personnages massacrés comme ça, sans aucune... voilà. Sans rien, sans rien. Ensuite, nous avons Kazak, le seigneur funeste Kazak, comme vous l'avez vu, l'un des world boss du coup de Burning, enfin un des world boss de Vovania qui sera réutilisé à Burning Crusade. Nous avons Mactéridon, ensuite le seigneur des abîmes Mactéridon, dans l'un des raids de la citadelle, bah, d'ailleurs c'est le repère de Mactéridon, hein, l'un des raids de la citadelle des flammes infernales. Nous avons ensuite Mogor, le chef du clan Losing Skull, donc le crâne ricanant, qui est devenu un des chefs des clans ogres de Nagrand, et on le tuera dans les quêtes d'ailleurs de Nagrand, sera un des boss de quête de la zone. Nous avons ensuite Zuluhed, le chef du clan Dragonmaw, vous savez les orques qui chevauchent les dragons, donc les gueules de dragons, et bien Zuluhed était leur chef, et vous le tuerez dans une des quêtes de la vallée Ombre Lune, donc dans la vallée Shadowmoon, où justement il apprend aussi à dompter des drakes du néant. Donc Zuluhed tué dans une simple quête. Nous avons ensuite, juste en dessous de Dantarg et Kilrog, nous avons tout simplement Moroz, le bras droit, qui est tout simplement le serviteur de Medivh, hein, à Karazhan, ainsi que le père de Medivh, qui a été un petit peu rendu fou et tout, c'est Nieles Aran, donc le mari, enfin le père de Medivh tout simplement, et qui était un magicien très très puissant, et bien il est tué à Karazhan. Nous avons également, juste à côté, Theron Gorfin, Theron Fielsan, qui Theron Gore tout simplement, et Theron Gore, ce qui est très drôle, c'est qu'il est réanimé à BC pour être tué à BC en tant que... En fait, on l'a réanimé dans le Temple Noir et on s'est dit, bah, en fait, toi, t'étais une des reliques de Warcraft 2, t'étais l'un des serviteurs de Ner'zhul et de Gul'dan, bon, écoute, tu permets de ramener un petit peu tout le monde à l'époque du Temple Noir, que ce soit la Horde sous Gul'dan, la Horde sous Ner'zhul et autres, bah, tu vas devenir un des serviteurs d'Illidan dans le Temple Noir. Lui-même, il sait pas trop ce qu'il fout là. Il est comme... il est comme dans... il cherche, il est comme ça. Qu'est-ce que je fais là? Et il va être tué, tout simplement. Ensuite, nous avons donc l'ombre d'Akama. Donc Akama, la volonté d'Akama en tant que serviteur d'Illidan qui va être tué. Et qui reviendra d'ailleurs plus tard. Mais il est tué. Zul'jin, on l'a vu à Zulaman, qui va être tué. C'est dommage, ça aurait pu être un des chefs de la Horde, hein, et de chefs des trolls, etc. Mais non, le massacre. Nous avons ensuite le phénix Alar, le phénix de Kel'thas, qui va être tué dans le donjon de la tempête. Donc Zulaman, hein, pour Zul'jin, je précise. Temple noir pour Akama comme Theron Gore. Ensuite, nous avons Kalegos qui sera... Alors lui, Kalegos n'est pas mort. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo sur Kalegos si ça vous intéresse. Il va pas être tué, mais en fait, il était possédé par un Nathrezim, donc un seigneur de l'épouvante. Et au final, eh bien, on va tuer le Nathrezim qui l'a possédé. Et en fait, on bat Kalegos. Mais Kalegos ne va pas mourir, même s'il va être gravement blessé. Au final, donc, un dragon bleu qui va être vaincu. Et ensuite, nous avons Kil'jaeden, je l'ai déjà évoqué, qui va être vaincu au puits de soleil. On l'empêche de rentrer en Azeroth. Et en dessous, vous avez trois des grands chefs des Illidari. Donc les cinq chefs Illidari vont être massacrés, hein, troisième faction. Donc on a Dame Vache, qui va être tuée dans le repère du serpent, je crois, quelque chose comme ça. Qui est tout simplement donc, dans le marécage de Nagrand, un des raids où, bah, en fait, Illidan, il est pas très écolo, hein, et ils sont en train de récupérer de l'eau. Voilà, Vache est mort en allant récupérer de l'eau. Dame Vache, le bras droit d'Ashara, et l'un des bras droits d'Illidan, tué en allant chercher de l'eau. À côté Illidan, évidemment, hein, qui a été tué au Temple Noir, on l'a déjà évoqué, et Kel'thas qui n'est pas tué une fois, mais deux fois, une fois à la citadelle, au donjon de la tempête, et ensuite il sera retué sur la terrasse des Magistères, hein, avec tout simplement eh bien, le réveil du puits de soleil. Voilà. Voilà, nous avons tous ces personnages importants ou un peu moins importants, mais quand même des personnages connus, qui sont tués à Burning Crusade. Ce n'est pas fini. Parlons maintenant des personnages oubliés qui ont été ramenés ou créés à partir de Burning Crusade, qui ne seront pas réutilisés tout de suite, ou même pas réutilisés du tout pour certains d'entre eux. Commençons par les fils de Lothar, à savoir Danad Trollbane, le chef de l'Alliance du coup en Outre-Terre, hein, qui est l'alter ego de Nazgrel pour la Horde, enfin lui c'est l'alter ego pour l'Alliance bien sûr. Danad Trollbane qui ne sera pas réutilisé, alors que c'est... Je rappelle quand même que dans les fils de Lothar vous avez leur statue. Si vous allez à Stormwind, vous allez à Hurlevent, vous avez leurs statues qui sont devant la capitale de l'Alliance. C'est censé être des héros de guerre, des illustres héros. On retrouve ces mecs-là,
et ils ne sont pas réutilisés dans les campagnes de l'Alliance. À quoi ça sert de faire une statue du coup? Donc Danath, hein, qui est tout simplement le prince héritier de la nation de Stromgarde, qui est dans l'Alliance. Hein, donc un, il devrait être roi, même ça devrait être le roi de Stromgarde, pas réutilisé. Arathor, que vous voyez juste après, qui est un demi-elfe, un demi-haut-elfe d'ailleurs, qui est le fils de Thuralion et d'Aleria, qu'on revoit, qu'on voit à Burning Crusade, puisqu'il est leur fils, et il va être un des généraux de l'Alliance à Burning Crusade, mais son rôle, bah, tout simplement, il est... même pas tertiaire, c'est même plus tertiaire, il sert à rien, alors que je rappelle quand même que l'union d'un elfe, enfin les semi-elfes sont très très rares et sont censés être assez puissants, et le fils de Thuralion et d'Aleria, qui sont deux grands héros de guerre, Thuralion étant l'un des plus grands héros humains qui ait jamais existé, Aleria pareil du côté aux elfes, le fils devrait quand même être plutôt badass, je crois que le plus grand fait d'armes d'Arathor c'est d'avoir réussi à ouvrir la boîte à cornichons tout seul, sans l'aide de ses parents, c'est quand même incroyable. Thuralion et donc Arathor, on le reverra à partir de Légion, mais c'est pareil, il n'aura pas un rôle important. C'est censé être un super paladin et autres, hein, quand même. Et Arathor, un petit rappel quand même, Arathor, c'était quand même la nation principale. Je veux dire, le titre Arathor n'est pas là par hasard. Hein. Arathor, c'était la nation première des humains, etc. Enfin, c'est le mec, son nom, c'est. Enfin, je sais pas, Arathor quoi, mais bon, c'est pas grave. Du coup, Thuralion, Aleria, qui sont nommés à Burning Crusade, mais qui sont là, mais pas sans être là, et qui reviendront à partir de Légion. Nous avons ensuite Khadgar, qui va se toucher le bâton jusqu'à Warlord of Draenor, où il va avoir un rôle important, mais c'est surtout à Légion où il va avoir un rôle crucial. Donc, de Burning Crusade à Warlord of Draenor, Khadgar illustre son bâton. Ensuite... Alors là, c'est pareil, hein, c'est quand même incroyable. Nous avons tout simplement donc Vorenthal, qui est le chef des clairvoyants. Vorenthal, qui était l'un des grands généraux de Kel'thas, et dans la hiérarchie des elfes de sang, il est censé être le numéro 2. Vorenthal, une fois l'assaut du Puits de Soleil, bah, lui, c'est simple, on l'a plus jamais revu, Vorenthal. C'est quand même un peu dommage, quand même, ça serait intéressant de le retrouver, Vorenthal. Mais bon, ah, d'ailleurs j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment pas aimé Chronicles 3, hein, je pense que vous avez compris pour différentes raisons, mais le passage sur Vorenthal est super intéressant et j'ai beaucoup aimé le personnage, donc c'est dommage de ne pas l'avoir utilisé. Rexxar qui reviendra un petit peu de temps en temps faire des petits coucous, alors ça va être à Cataclysme, Cataclysme Warlord of Draenor, enfin Cataclysme, Mist of Pandaria, un petit peu Mist of Pandaria notamment avec Orgrimmar, et il reviendra surtout à Légion au final. Mais il aura un rôle très très secondaire. Nazgrel qui n'est toujours pas revenu. Alors il a fait un petit coucou lors des quêtes PVP de Légion, mais sinon on le revoit pas. Nous avons Jorin Dedai qui est juste le chef du clan, le chef des Magars le chef des Magars quand même de Draenor, et le chef du clan Bleeding Hollow. Toujours pas réutilisé, hein, c'est un petit peu dommage. Et d'ailleurs, Jorin, pour la petite anecdote, hein, les Magars en tant que race alliée que l'on débloque, ce sont des Magars de la Draenor alternative. Alors qu'il y avait Jorin, Dedai, légitimité quand même plutôt intéressante, et les Magars de l'Outre-Terre qui auraient pu être utilisés pour le scénario Magar, pas du tout, on a préféré aller dans la timeline alternative, etc., 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 et nous pondre une punk à chien en tant que chef Gaiara, en tant que chef la Thrall alternative, en tant que chef des Magars. Merci Blizzard. Ensuite nous avons Akama, hein, qui a retourné sa veste pour servir à rien. Il aurait pu être un des chefs des Draenei. Non, pas du tout. Il va se toucher les tentacules jusqu'à Légion. Et à Légion, il fera un petit retour au milieu des Illidari. Hein, mais voilà. D'ailleurs, petite anecdote, mais Akama, si vous faites un DH, si vous faites un Demon Hunter, donc un chasseur de démons, à partir de Légion et que vous faites le domaine de classe, c'est là où vous voyez le potentiel gâché et manqué d'une autre faction Illidari qui aurait pu arriver. Quand vous voyez tous les Marcus Jonathan qui sont censés représenter, bah, y a le chef des Cendrelangues qui aurait dû être Akama, la chef des Naga présentes qui aurait dû être Damvash, le chef des Elfes de Sang qui aurait dû être Kel'thas, et ensuite la fausse Illidan, la fille qui ressemble à Illidan mais au féminin. Tu vois le potentiel manqué, tu vois le potentiel gâché, c'en est triste. Et enfin Maiev qui reviendra à partir de Légion et qui ne sera pas réutilisée. Alors dans l'univers étendu, elle sera un peu utilisée notamment à Cataclysme. Mais sinon, elle n'apparaît pas avant Légion. Donc voilà, les personnages oubliés. C'est quand même un peu la tristesse de voir des figures aussi emblématiques de l'univers de Warcraft être mises au banc des remplaçants, voire des absents. C'est quand même un petit peu triste, Burning Crusade. Et c'est pas terminé, puisque je trouve... Alors, c'est
quelque chose qui n'a pas forcément un rapport avec l'Outre-Terre et autres, mais un des donjons, en fait, hein, même trois des donjons de Burning Crusade, c'était tout simplement les cavernes du temps. Donc on va en explorer un peu le vol draconique bronze avec tout simplement Nosdormu et ses gardiens du temps. Et on va voir un petit peu à quoi représente, enfin à quoi ça ressemble. Et encore une fois, en fait, pour moi, les cavernes du temps. Alors, vous pouvez aimer les cavernes du temps, hein, bien entendu. Vous pouvez aimer ces raids, hein, y a pas de problème. Mais d'un point de vue scénaristique, il faut voir que ça n'a pas de sens et que c'est complètement du fan service à outrance. Et les cavernes du temps, pour moi, représentent très très bien ce qu'est Burning Crusade. C'est-à-dire du fan service, du mauvais fan service, du fan service, on vous en fout, quitte à ce que ce soit n'importe quoi. Et on vous les met, on vous en met plein les yeux là-dedans. Et en plus de ça, donc c'est vraiment pour moi ce que j'appelle du pur débile, enfin du pur fanservice de débile, où on chasse des boss connus, on chasse des personnages illustres, sans réel intérêt pour le lore, sans aucune avancée scénaristique propre. Ça ne sert pas à avancer le récit, c'est juste du retour dans le temps parce que vous avez kiffé ces personnages-là avant, donc on vous les fait buter. Et c'est ce que j'appelle le safari. Et du coup, dans les personnages tués et connus, même si c'est dans le temps, eh bien vous avez différents personnages. Avec par exemple la libération de Thrall où vous allez affronter Blackmore, etc. L'hommage à Warcraft 1 avec l'ouverture de la Porte des Ténèbres par Medivh. Et enfin la bataille du Mont Ijal où vous affrontez Archimonde, Asgalor, etc. Anéteron, etc. Les grands chefs de la Légion Ardente. Voilà, c'est ça. On vous met du passé parce que vous avez kiffé, on vous le remet, quitte à n'avoir aucun sens. Alors, les cavernes du temps en elles-mêmes, c'est pas grave, hein, mais ça représente très bien toute l'extension, en fait. Ça représente tout bien Burning Crusade. Vous kiffez Lydan ? On va vous le faire tuer. Vous kiffez Kel'Thas ? On va vous le faire tuer. Vous kiffez Dame Vache ? On va vous la faire tuer. Vous kiffez Zul'jin ? On va vous le faire tuer. Voilà. Et du coup, ça détruit plein de possibilités scénaristiques. Juste parce que, voilà, vous avez aimé ces brasses-là, donc on va vous les faire chasser, vous allez récupérer du loot, faire des selfies en récupérant les lames d'Azinoth. Waouh, c'est incroyable. C'est ainsi que Burning Crusade se termine, l'une des pires extensions de World of Warcraft en termes de scénario, qui a massacré, comme je vous l'ai dit, plein de schémas narratifs possibles. Du pur fanservice, du pur mauvais fanservice. C'est comme ça qu'on fait du mauvais fanservice. Hein, mais encore une fois, à l'époque, ils n'avaient pas de trame scénaristique vraiment bien établie. Et c'était vraiment, on surfe sur ce qui marche. Et si on veut vendre du World of Warcraft, bah, on va vous faire tuer du personnage connu. Et sans penser à l'après, en fait. Ils ne pensaient pas 10 ans après que ça continuerait à avoir autant de succès. Et que, bah oui, tu viens niquer toutes tes intrigues en tuant tes personnages les plus connus. C'est, on va dire, la plus grande période de ce que j'appelle le Safari. Ça a commencé avec Naxxramas et Vanilla. Burning Crusade, c'est... on est au firmament du Safari, ça continuera avec Wars of the Lich King jusqu'à Cataclysme. Et à partir de Mr. Pandaria, on fera du nouveau, on fera du neuf. Mais c'est vrai que bah voilà, le Safari va continuer dans Wotelka et dans Cataclysme. Heureusement, Légion corrigera une bonne partie des merdes de Burning Crusade, malheureusement pas tout. Hein, Kel'Thas, Dame Vache, c'est fini. Hein. Alors peut-être que Kel'Thas reviendra un jour, mais c'était à Légion. Légion aurait pu être l'extension qui ramenait Kel'Thas, mais bon, c'est dommage. Au moins Légion a sauvé Illidan, on va dire, mais il y a plein de personnages de Burning Crusade qui sont morts ou qui ne sont pas utilisés. Légion a pas pu faire. Il y a un moment donné où il y avait tellement de choses à rattraper que Légion pouvait pas tout faire. Et pour ceux qui ne le savent pas, Légion, c'est vraiment... Alors ça n'a jamais été dit comme ça, hein, mais Légion, c'est du Burning Crusade 2, c'est un peu ce qu'on aurait dû faire avec Burning Crusade. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà pourquoi je n'aime pas Burning Crusade, voilà pourquoi... Burning Crusade est une mauvaise extension en termes d'histoire, en termes de lore. Voilà pourquoi j'ai du mal avec World of Warcraft, puisque c'est à cause de ce genre d'extension que l'histoire de Warcraft, de la licence Warcraft, a été mise au chiottes, en fait, tout simplement. Et pour passer après, c'est compliqué. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert les yeux surtout sur ce qu'est Burning Crusade, un immense safari, une immense blague. Je vous invite, bien sûr... Il y aura énormément de corrections qui vont arriver par la suite, en bonne ou en mauvaise. Hein. Vous avez Chronicles, vous avez les romans, vous avez également Légion qui vont revenir un petit peu sur ça. Mais voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et vous aura ouvert les yeux. N'hésitez pas surtout à partager autour de vous, parce qu'il y en a beaucoup qui font « Oui, Battle for Azeroth, l'histoire c'est de la merde, à l'époque Burning Crusade et Wotelka c'était bien meilleur ». Montrez-leur ça, parce que oui, hein, quelle belle extension Burning Crusade. Merci à tous encore une fois, je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker, à partager autour de vous. Il y avait beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur Burning Crusade. En même temps, c'est une des extensions préférées des joueurs, donc bon, faut leur montrer que c'est un peu de la merde en termes de scénario. Voilà, je vous fais plein de bisous. Il y a des références d'autres vidéos dans la description. Allez, plus.